T'as vu, je t'ai mis ton logo, ton petit logo hein, sur la première drape. Enfin, t'as pu le remettre, j'imagine, derrière. Mais... Ouais, j'ai vu que t'avais fait cette petite attention. Ah. Normalement, là, on est en direct. Voilà. Normalement, c'est bon. C'est Alors, on est en parti. direct. C'est ça, nous On sommes en devrait direct. voir ce que... Bah oui, Donc, ce que je regarde salut tout le nouveau, c'est... monde. Salut déjà Adrien Reynaud qui est sur le chat. Ça va commencer à arriver petit à petit. J'espère qu'on m'entend bien. Je vais faire le test. Normalement, ça va marcher. Peut-être sur un petit écho. Arriver petit à petit. Ouais, c'est bon, on entend. Et normalement, on va entendre Stéphane. Salut Stéphane. Petit à petit. Bonjour. Ouais, c'est bon, on entend. Bonjour, je Et suis en train de normalement. regarder si je vois les... Bonjour. Ouais, c'est bon, on l'entend. C'est bon, ça marche. Marche. Il y a l'air Impeccable. d'avoir un petit peu de décalage, Ouais, non? de toute façon, il y a toujours un petit peu de décalage, même si je mets avec la direct en prise avec la box. Parce qu'au début, je le faisais avec la clé USB, mais c'est vrai que si tu mets pas en prise directe, c'est un peu plus compliqué. Donc, vidéo live sur les 10 meilleurs généraux de la guerre de 30 ans. Ça fait un petit moment qu'on en discutait avec Stéphane de cette envie de faire cette vidéo qui était un peu putaclic. Voilà, comme on dit. Il y a pire, il y a Il y a pire. pire, il y a pire, C'est mais... pas du type genre le nouveau char russe a choqué les Américains ou... Ouais, c'est ça. Mais dans le monde de la figurine, ça, là, c'est de l'historique, c'est un peu les tops, c'est quelque chose que font pas mal les Anglo-Saxons à chaque fois, je trouve. Et donc là, je pensais que ça pouvait être cool de faire un top des généraux de la guerre de 30, puisque c'est un sujet qu'on commence un peu à avoir fait le tour et à maîtriser. En plus, Stéphane en particulier, puisque toi, tu es un passionné de la période, tu as écrit plusieurs ouvrages dessus, tu as eu un blog aussi à une époque Tout d'Oron à à fait. Turenne, c'est ça? Exactement, Voilà. exactement. Que j'alimente très peu avec regret. Mais Avec qui à une regret. époque était quand même que tu alimentais énormément, que ce soit en termes de d'uniforme, surtout en plus avec des sources d'époque. Et ça, c'était quand même un plus. Voilà, en fait, l'intérêt de ce blog, si jamais vous voulez toujours aller le voir, c'est qu'effectivement, c'était essentiellement des sources premières que je mettais à disposition. Il y avait pas peu d'analyse derrière. Beaucoup de sources premières que je traduisais en anglais parce qu'il y avait en fait l'intérêt des blogs, c'est qu'on est tout de suite dans un réseau de blogueurs et donc j'étais en réseau avec des Hollandais, Anglais, Écossais, Polonais et du coup c'est. Et il y a d'autres blogs d'ailleurs qui sont très bien, je pense notamment à un ou deux blogs polonais, quelques blogs anglais sur le sujet. Mais bon, effectivement, ça fait ça doit bien faire 10 ans que je ne l'ai pas alimenté. Et tu avais aussi donc rédigé. Alors, tu avais rédigé deux ou trois ouvrages. Il me semblait qu'il y en avait un sur l'armée française, un sur la cavalerie Alors, française. non, il y en avait un sur, effectivement, les armées françaises de la guerre de 30 ans. Voilà. Il y en avait un sur la Je bataille crois. d'Avein. Donc ça, c'était une petite publication. Elle est imprimée à Le tirage. peu d'exemplaires. Mais la bataille d'Avein, 1635, est la première bataille des Français quand ils entrent en guerre. Et un chez Histoire et Collection sur la bataille de Rocroi. Voilà, sur la guerre de 30 ans, enfin, dans ce cadre-là, c'était les trois... Et j'avais édité aussi d'autres bouquins, notamment un sur les Tertios. Ouais. Et il me semble que j'avais mis un lien où on pouvait trouver celui, je crois, sur la bataille de Rocroi, qui était encore. Sur la bataille de Rocroi, Ouais. il y a probablement encore des stocks. Moi, j'avais mis, tu peux le retrouver sur Tertios, aussi un Oui. endroit où on peut encore trouver les armées françaises de la guerre de 30 ans. En fait, j'ai retrouvé un vieux stock que j'ai filé à un mec qui a un site en ligne. Et ceux qui veulent le troisième Avain, en fait, il est téléchargeable en PDF sur le site des Tertios, Ok. dont on ne fera jamais assez la promotion. Oui, tout à fait. Merci à History. Attends, comment c'est déjà? Historifi. À Nico Fig. Nico Fig qui et aussi alors le forum actuellement. Et le forum Le forum que qui est Tertios administré par des Toulousains, des non? Toulousains, oui, c'est Fred, il me semble, qui a la baguette. Il doit y avoir du Fred et du Salvador sur la partie C'est ça. espagnole. N'hésitez pas à aller sur le forum et à échanger. C'est un outil qui nous avait été pendant un petit moment demandé et ça a été créé. Ça permet pour une certaine génération d'échanger. Voilà. Et puis c'est toujours bien puisqu'il y a une section espagnole et une section en anglais, je crois. Donc ça permet d'un peu ouvrir les questions à l'international. C'est le moment publicité, donc autant continuer autour de ça. Pour vous dire que Stéphane et moi, on sera présents au salon des jeux d'histoire de figurines de Lavore
dans le Tarn, organisé par Nicolas Rostin. C'est le 10 mars, 10 et 12 mars. Alors nous, on sera que le samedi et dimanche, normalement, Stéphane, uniquement le samedi. L'idée, donc, durant cette convention, ça va être surtout de faire découvrir des jeux d'histoire et de figurines. Moi, je serai avec tout le matos pour faire des interviews de joueurs, de créateurs de règles, voire faire des live jeux. Stéphane ainsi que des collègues des voltigeurs occitans feront du tertios impériaux contre suédois. Voilà, il y aura aussi Jérôme Cassano qui est le créateur de la règle LH. Peut-être qu'on lui fera une petite interview sur le moment. Donc voilà, ça c'est la première publicité, donc une initiative. Et le deuxième, ben, c'est la convention tertios. Puisque il y a le club d'Oziel, donc des stratégeux figurines, je mettrai tout ça en lien à la fin de la Stratégie du Lauragais. stratégeux du Lauragais. Je mettrai toutes les informations en description à la fin de cette vidéo. On organise la deuxième convention Tertios qui aura lieu le premier week-end d'avril sur le même système que l'année dernière, c'est-à-dire une convention dont le but est avant tout de jouer et de sortir des figurines, puisqu'il n'y a pas de classement, il n'y a pas de. C'est pas un tournoi, c'est vraiment une convention. Les deux échelles, 28 et 15, on s'arrangera entre Toulousains pour, en fonction de ceux qui viennent, s'adapter pour que tout le monde puisse jouer, puisque nous, sur Toulouse, on a les deux échelles. Il y avait déjà quelques-uns qui souhaitaient s'inscrire venant un peu de loin, donc n'hésitez pas à le faire, c'est sur conventiontertios@laposte.net. Voilà, vous m'envoyez un message et je répondrai sans souci. Déjà, il y a French Baguette là qui est sur le chat, donc bonsoir French Baguette. Et puis Bonsoir voilà, donc c'était un peu et l'instant bonsoir promotionnel. Adrien. Ouais, et bonsoir Adrien. Après, j'enlèverai mon beau t-shirt et vous verrez aussi, je vais le faire tout de suite. Vous montrer aussi ce que j'avais fait exprès pour la convention. Allez. Ah, du coup, t'as disparu. Et hop, me revoilà. J'avais fait donc. Normalement, il y a un petit décalage, mais c'est pas grave, vous allez voir. Salut Frédéric. J'ai fait ma première partie de science il y a quelques semaines et c'est vrai que c'est cool. Ah, c'est bien. Un nouvel adepte. Ah, un de plus, un de plus. C'est. Donc je ne sais pas où tu es, Adrien, mais si tu es loin de Toulouse. RP qui est là. Et donc, j'avais fait ces petits t-shirts là qui sont disponibles sur la boutique Spreadshirt de la taverne. Pareil, je mettrai le lien. Donc, c'est des t-shirts sur les généraux de cette époque-là. Donc, là, c'est les frères Rupert. Il y a le petit chien, la boy que j'avais fait, etc. J'ai mis des lunettes et tout. Vous pouvez retrouver, je crois que j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait Wallenstein, j'ai fait Wallenstein ou Tilly, je sais plus. J'ai fait aussi Gustave Adolphe. S'il y en a qui souhaitent avoir des généraux spécifiques, ils m'envoient un P, je leur fais le t-shirt, ils pourront le commander. Voilà, donc c'est sur la boutique Spreadshirt, je mettrai le lien dans la description. L'idée c'était plutôt de se faire un truc un peu sympa. Un peu fun autour de ça. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Alors je mets le lien dans le. En attendant, bon Adrien, Nantes, c'est 5h30, tu peux venir, j'imagine que tu vas pouvoir venir. 3h sur non, 3h30 Bordeaux, 2h Toulouse, ouais, c'est bon, ça vaut le coup. Ça passe. Non, après, Et on comprend que c'est sûr qu'il y a une question de distance et nous aussi, de plus en plus, ça. Mais voilà, c'est une fois par an, la convention Tertios. Donc, même si nous, le club, on est conscient qu'on n'a pas aidé en allant aussi quand certains ont organisé des trucs Tertios, je pense à Saumur. Voilà. Normalement, la convention de Saumur. On s'est Voilà, flagellé. je l'ai dit. La convention Saumur, normalement, était en fin juin de cette année. Elle a été déplacée. RP me confirmera. Elle était déplacée en octobre de l'année prochaine. Et donc là, avec Clément, nous, on s'est dit, chaud, on y va pour du Team Yankee. Donc je suppose que si jamais on y monte avec du Team Yankee, il y a des petits copains qui monteront aussi s'il y a du Tertios. Voilà, dans la voiture, on sera plusieurs. On a l'habitude des déplacements en petite fourgonnette. Donc voilà.
Bon, RP Studio, là, tu touches un point problématique. Alors, on est sur la dernière couronne de Toulouse, c'est un peu la campagne, donc il y a des hôtels, mais pas juste à côté, quoi. Après, on n'est pas loin de l'Abège, où il y a beaucoup de choses. L'Abège, c'est une grosse zone commerciale. Est-ce quelqu'un, oui, à moins d'un quart d'heure, il y a des hôtels, ouais. Par contre, Auziel, vous allez voir, c'est un tout petit village, le dernier avant. Donc, d'un côté, il y a Le des dernier grosses avant prises de quoi? l'agglo, de l'autre, c'est les champs, c'est la campagne. Ouais, c'est vrai. Non, après, par contre, c'est assez. S'il y a des gens à aller. Le mieux, c'est la beige. Et s'il y a des gens à aller chercher, on est tous dans le coin. Donc, on Oui, après, on peut s'organise. s'organiser de ce côté-là. Il n'y a pas de souci. S'il faut le vendredi soir aller chercher des gens à l'aéroport, on peut le faire aussi. Ou à la gare. On est présent. Voilà. À la gare, si jamais il y a aussi la possibilité, donc on arrive directement à la gare de Toulouse, mais là vous pouvez changer pour prendre un petit TER qui va jusqu'à la gare de l'Abège, qui peut La parce Belgique est qu'autrement on a quelqu'un, quand même c'est pour une grosse demi-heure pour aller à Toulouse. Donc, mais il y a toujours en fonction, mais effectivement, ça, tout ce qu'on peut gérer, on le fera, quoi. Ça sera avec plaisir. En fait, si on fait un resto tous ensemble le samedi soir, l'idéal c'est de prendre un hôtel pas loin. Oui. Ou sinon, Oui. on t'inquiète pas, on te ramènera. On fera Sam. Oui, on s'organisera. Voilà. Certains d'entre nous ont du sang un peu turco-mongol, ils tiennent pas trop l'alcool. Donc, en général, ils font Sam. Salut, bonsoir l'équipe, Gopi. Donc voilà, sachez que les gars, dans tous les cas, on vous accueillera. Si vous venez en 15 mm, il y aura du 15 mm. Qu'est-ce qu'ils sont beaux? Eh oui, t'as vu, on est beaux, hein. Donc ce beau t-shirt, vous pouvez l'avoir. Tiens, Benoît. Et je crois que j'ai. Regardez, en plus derrière, j'ai mis Tertios en rouge là, comme ça. Tac. Donc voilà. Et évidemment aussi, on aura nos drapeaux. À chaque fois, on avait. Là, il faut que je cherche quelle nation je vais commander. Mais on avait fait en sorte qu'il y ait une sorte de plusieurs drapeaux dans toute la salle. Pour que. Si chaque année on en fait un, à la fin, on va avoir plein de trucs. Donc. Les drapeaux, ouais, c'est une bonne idée, les drapeaux, tiens. J'avais celui de. Je crois que j'avais celui donc des parlementaires. J'avais celui des Vénitiens. Il y avait quelqu'un qui avait apporté je crois que c'était un Espagnol. Il y a Salvador qui m'a dit qu'il était en train d'en commander un. Ou je sais plus, c'est toi qui m'as dit qu'il voulait en commander un. Enfin, je sais plus. Donc, le souci, c'est le soclage en 28. Ah! Alors, le soclage en 28, normalement, nous, on a pris nos conventions. C'est du 6 sur 6. On me reprendra si c'est faux. Mais il me semble que c'est du 6 sur 6. Au pire. Des sous-socles. Tout se fait. Effectivement. Voilà. Je sais que par exemple, les voltigeurs occitans, là, les quelques-uns qui vont y participer, dont au début il y avait Fred, là, ils sont partis sur ce soclage-là, ils sont en train de ressocler. Faut que j'aille continuer mon travail de vente de la règle. Donc. Tout ça nous Commercial de amène, c'est VRP. ça. Moi j'ai des armées en 28, soclé en individuel, 2 sur 2. Ben, c'est parfait, t'as juste à les mettre sur la plaque et tu joues avec. Hein. Voilà, honnêtement, le sous-socle c'est le mieux. Ne refais pas tout, mais tu resocles sur des sous-socles et puis voilà quoi. Et si jamais t'as des copains qui ont des imprimantes 3D, tu leur fais un petit fichier pour que tu puisses faire des socles avec directement les supports. Voilà, ça peut être un petit tips, je pense. Et le voilà. Oui, c'est bien 6 fois 6 cm, tout à fait. Tout à fait. Et en plus, c'est une convention qu'on a pris pour toutes les unités. C'est-à-dire que ce soit cavalerie, piéton, tout ça. Tout le monde est sur la même enseigne. Comme ça évite le bordel qu'on connaît dans certaines règles. Voilà. Alors, il n'y a que 5 likes. Qu'est-ce que fait French Baguette? Qu'est-ce qui se passe? Normalement, J'ai pas liké, moi, je vais le faire à French tata, Baguette est tata. là Ah, pour. c'est ça. Donc, en revenir à. On avait fait quand même pas mal le tour des armées de la guerre de 30 ans. Et l'idée, c'était de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire autour de Tertios et de la guerre de 30 ans aussi. Et en discutant avec Stéphane, on a eu cette idée de faire. Enfin, on a partagé cette idée de faire les 10 meilleurs généraux de la guerre de 30 ans. Voilà, comme on disait au début de la vidéo, un titre putaclic. J'ai dit, bon, ben voilà, c'est quoi le top 10? Alors Stéphane, quelle est ta réponse? S'il y en a une. Bah, en fait, ouais, c'est là, tu m'as demandé de faire un truc qui est un peu compliqué. Alors, en gros, je me suis dit, je vais pas me faire chier. J'ai D'accord. vraiment pas le temps.
Donc, je vais demander, vous avez tous entendu parler de ChatGPT, hein, ChatGPT, c'est le truc à y aller. Donc, je vais regarder sur ChatGPT, quoi. Comme ça, j'aurai l'air moins con. C'est ça, ouais. En grève. Et donc, bah, j'ai posé la question à ChatGPT, parce que ce genre de question, Et donc, la réponse est. Voilà, on s'est dit. Hop, je vais vous la montrer. Enfin, j'attends que Jérémy veuille bien la montrer. Alors là, c'était donc la question que j'ai posée. Qu'est-ce qu'un bon général? Comment classer les meilleurs généraux? On Voilà. verra après. Et Et du bien voilà coup, la réponse de ChatGPT. donc quand même, il n'y a quand même rien de mieux que l'intelligence artificielle, hein. Donc Voilà. voilà, Donc là, ChatGPT, je sais pas si... Voilà. la soirée est finie. Donc voilà. Démerdez-vous. Démerdez-vous, vous avez la réponse. Merci d'être venu. Comme ça, au moins, ça va pas finir trop tôt. Voilà, on peut aller manger. Mais on Voilà. couche. Est-ce que ça vous va comme question, comme Oh, réponse? surtout comme réponse. La question, vous n'avez pas le choix, je vous préviens, c'est comme les cours, tu sais. On peut changer la question? Non. Bon. Bon, à vrai dire, je vais quand même vous dire que ouais, les réponses, c'est un peu naze, quoi. Alors pourquoi il y en a qui sont en rouge, par Wallenstein. exemple? Bah, pardon? Pourquoi Ouais. certains sont en rouge? Bah, j'ai aidé. J'ai dit, en fait, ceux qui sont en rouge, c'est les absurdités. Mansfeld, il n'a pas gagné grand-chose. Oui, French Baguette, tout à fait d'accord. Il n'y a pas un Il n'y a Français. pas un Il y a Français. quand même l'intelligence artificielle. Il n'y a pas Alors un que Français. dans notre classement, il n'y aura que des Français. Bah voilà, ouais, on va, ouais. Hein. Tilly, il apparaît deux fois. Bon, je veux bien qu'il soit bon, Tilly, mais il apparaît deux fois. Oui, compte de Tilly et tout. Ouais, Vert, cette générale de cavalerie. Ouais, gentil, il arrive en retard à Rocroi. Ouais, bon, Christian de Brunswick, il n'a pas gagné grand-chose, il s'est pris quelques bonnes déculottées, bon. Et celui qui est mort en 1603? Oui, alors en plus, oui, effectivement, il y en a un qui est mort en 1603, elle n'a même pas commencé, donc voilà. Donc pour ceux... Alors, ChatGPT, quand même, il dit un truc intéressant, Alors c'est peut-être et sa je suis assez réponse qui est plus d'accord. intéressante. Il dit, le mec, il n'a pas plus envie de s'emmerder que moi, il dit, il est vachement difficile de classer les 10 meilleurs généraux, parce qu'en fait, c'était un conflit super complexe. Les généraux, ils ont eu des réussites différentes. Ça dépend de beaucoup de choses. Bref, voilà, il donne cette réponse-là. Du coup, quand même, là, on va dire, on va pas en rester là. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez comment fonctionne l'intelligence artificielle, notamment le machine learning. C'est qu'en fait, bah, plus on interagit avec eux, plus il évolue et plus il apprend. On aurait eu Wellington Nelson. Oui, c'est ça, Oui, oui. c'est ça, ouais. Et donc, bah, j'ai reposé une deuxième fois la question parce que, quand même, Jérémy il a insisté pour que je fasse ce truc-là. Donc, j'ai reposé une seconde fois la question pour voir s'il avait évolué. Hans-Georges, c'est lequel, Hans-Georges? Tu vois, on ne le connaît même pas, Hans-Georges. C'est un margrave. Je ne connais pas plus que toi, tu vois, Hervé Studio. Donc, du coup, j'ai reposé quand même la question pour voir, bon, au bout d'une semaine, est-ce qu'il a évolué? Parce que moi, je n'avais pas évolué, hein, je n'avais pas de classement. Et du coup, là. Bah, il est revenu avec un classement. Comme quoi, il a un peu avancé. Et le classement, il est un peu moins idiot que celui d'avant. Hop. Ah non, ça, c'est toujours l'ancien, ça. Ah, voilà. Oui, c'est celui que tu m'as envoyé, celui-là. Et là, c'est bon, j'ai un classement. C'est bon. Merci d'être venu. Je peux m'en aller? Alors oui, c'est bon. Donc petit 1, Ouais, Wallenstein, tu peux petit 2, continuer tout Gustav seul. Adolf, petit 3, Bernard von De Saxe-Weimar. Saxe-Weimar, Tilly, Johann Banner, Christian of Brunswick, Count of Mercy, Count of Galas. Il y a toujours George von Arnim, là? Ou non, c'est pas le même, ça? Alors Arnim, ouais, mais Arnim, il n'est pas trop mauvais. Donc Arnim, donc là, en fait, deuxième, enfin quand même, un On point précise intéressant. toujours pas de français. Voilà, toujours pas de français, mais en fait, le classement, il commence un peu à être, c'est honteux, ouais. N'y a pas Non, Papenheim. Pappenheim, non, non, RP Studio, pas Pappenheim. Il a juste commandé un corps. Bon, il n'était pas mauvais, mais... Là, on prend la crème de la crème, là. Ouais. Là, en fait, ce classement, il commence à ressembler à quelque chose. Vous allez voir. Je ne sais pas si je mettrai Wallenstein en premier. Saxe-Weimar, il est pas mal. C'est surtout, enfin, c'est le mec qui s'accroche, qui veut dire, qui arrête jamais, qui abandonne jamais. Après, de là en faire un très bon général, je dis pas. Tilly, pas mal, très bon, Tilly. Adolphe, bien sûr. Banner, c'est un bon général. Brunswick, je ne sais toujours pas ce qu'il fait là. Merci, c'est un Bavarois qui n'a pas gagné grand-chose, mais qui était un bon général. Là, c'est un.
C'est effectivement intéressant qu'ils mettent merci parce qu'on ne le voit pas souvent et j'avoue que moi c'est un général que j'apprécie. Gallas, c'est le genre de mec, si vous, jamais vous avez trop de monde, lui il va faire le ménage, c'est-à-dire qu'il va se débrouiller à avoir des taux De de comment on appelle mortalité. ça, de perte de assez, et en fait il n'a pas gagné grand-chose. C'est un grand, Alors quoi. Arnim, c'est un Saxon, je crois, qui était au service de, enfin, qui a pas mal été au service des Suédois, donc il profitait de toutes les victoires suédoises. Et le dernier, Gunnberg, je crois que de mémoire, alors là je suis un peu sec, mais de mémoire, c'était Gunnberg, je crois qu'il était au service des Suédois aussi, mais bon, j'avoue que là, je vois pas d'où il sort. Du coup, j'ai décidé quand même de ne pas vous en rester là parce que je suis toujours quand même aussi glandu, je suis allé voir sur Wikipédia. Alors, pas directement sur Wikipédia, mais en fait, il y a 10 ans, il y a un type qui avait fait comment dire, un Un classement d'après classement, ouais. toutes les batailles qu'il y avait sur Wikipédia. Mais avant de regarder ça, du coup, ça vaut le coup de se poser la question de dire, bah, en fait, qu'est-ce qu'un bon général? En fait, quels sont les critères qui va permettre de classer les généraux? Comme moi, j'ai aucune idée. Est-ce que vous pouvez m'aider? Parce qu'autrement, on va être obligé d'arrêter Là, c'est le. le classement Wikipédia, hein. Est-ce que tu veux Ah, que je le attends, mette? on le verra après. Ok. Hop, reviens en arrière, on le verra après. D'abord, bon, d'accord, laisse. Non, non, c'est bon, je l'ai enlevé. Vous, pour vous, c'est quoi un bon général? Pour vous qui êtes dans le chat là. En fait, comment vous classeriez les généraux, vous? C'est À ça. partir de quelles données? Pendant qu'ils réfléchissent, je te dis un peu qui est Jan Ulrich van Hager, donc 1568-1634. Alors, est-ce que je comprends Egenberg. avec l'aide d'Egenberg, l'archiduc Ferdinand a été élu Ferdinand II, empereur romain germanique, Ah, c'est un impérial en fait, tu vois, dans sa j'étais en train fonction de de. président de. Donc, c'est l'un des hommes d'État les plus puissants et les plus influents de son temps pendant la période de 40 ans. C'est une sorte de premier ministre, en fait. Ouais. Frédéric, je sens que là, influencé par effectivement qui gagne des batailles. Avec un minimum de Un morts. génie héroïque. Ah, intéressant, RP Studio. Ouais. Génie héroïque, ok. Intéressant, ouais. Gagner des batailles, effectivement, hein, effectivement. Avec un minimum de morts. Il y a un moment où C'est on se Napoléon, rejoindra. pourquoi? Napoléon, intéressant, mais effectivement, Napoléon, il surpasse tout sur Wikipédia. Il Il faut faut faire faire le un tri à partir travail des de données données croisées, croisées. je dirais. Le taux de victoire, bien sûr, mais aussi le taux de perte chez lui et chez l'ennemi, et surtout la portée de ses victoires politiquement. D'accord. Intéressant. Intéressant. J'avoue que French Baguette, le dernier point. Alors, le taux de perte, je n'avais pas les données, donc je ne l'ai pas inclus. Mais je suis tout à fait d'accord. La portée des victoires politiques, je l'ai pas intégrée. Et je ne sais pas si je l'intégrerai réellement, en fait. Ça, surtout que Mais la c'est guerre de intéressant et c'est débattable. Ouais. Pardon, pardon, Jérémy. ben, surtout qu'à la guerre de 30 ans, il y a un aspect vraiment. Les généraux n'ont pas forcément le poids sur tout ce qui est diplomatie, etc. Non? Bon, allez, vous allez voir parce que bon, j'ai quand même fait un classement, hein, et j'ai essayé quand même de réviser. Vous allez voir que j'ai mis d'autres critères parce qu'il y a des fois des victoires qui ont été au détriment du politique, enfin qui n'étaient pas voulues par le politique, mais le politique après en a profité. Donc ça, c'est intéressant en tout cas. Ratio victoire-défaite, effectivement. Après, Après j'ai. d'initiative, effet de surprise. Ok, là on commence à se rapprocher de Sun Tzu, très intéressant. Et moi, Ouais. j'ai bien aimé aussi le classement des généraux par crédibilité vis-à-vis de ses pairs et de ses hommes. C'est-à-dire aussi, il y a le côté Ouais. comment, à son époque, il était considéré. Ça, c'est intéressant, je trouve. Gopi, ouais, effectivement. Moi, le côté vraiment, là, il y a des éléments, effectivement, que j'ai intégrés, effectivement. Ouais. Bon, pendant que vous réfléchissez, effectivement, donc on va revenir. Donc, pour la partie ratio victoire-défaite, c'est pas évident à trouver. Selon les conditions, oui. Adrien, ouais, ça, j'aime bien aussi ce genre de choses. Moi, j'ai pas mal intégré ça. Comme vous, hein, j'ai pas plus la science infuse que vous, mais donc du coup, vous allez voir par la suite. Hein, il y a nécessairement, ouais, des partis pris.
Mais en tout cas, effectivement, il y a au moins on ne va pas passer au-delà des victoires par rapport aux défaites. Et effectivement, donc là, Jérémy, tu peux passer. Mais l'interrogation que j'ai faite sur Wikipédia, en fait, ce n'est pas directement sur Wikipédia. Mais il y a une dizaine d'années, il y a un type qui avait fait une analyse très intéressante. C'est-à-dire qu'il avait pris sur Wikipédia toutes les batailles. Et il avait pondéré donc en fonction exactement du ratio victoire-défaite. Donc là, vous avez effectivement le classement qu'il avait fait à l'époque, donc c'est un peu vieux, mais je n'ai pas retrouvé de mise à jour. Et vous allez voir qu'il y a des noms, et derrière, il y a un ratio qui est le nombre de victoires sur le nombre de défaites. Et donc, selon ce type dont je ne me rappelle pas, mais en tout cas ce calcul, il y a Frédéric Henry, donc le prince d'Orange, qui arrivait en premier, mais largement avec 2,4 plus de victoires que de défaites. Alors, je ne sais plus si c'était exactement ça le ratio, mais on va se le prendre comme ça. Donc, gros, je veux dire, il vraiment le type qui était largement au-dessus, c'était Frédéric Henry, donc le prince d'Orange, hein. J'y reviendrai par la suite, hein, j'en reparlerai. Deuxième, Lennart Ortensson, un Suédois. Alors, il est dans mon classement, donc j'y reviendrai aussi, je vous en parlerai un peu plus. Louis-Duc d'Enghien, bien sûr, c'est un Français, enfin. Donc, en fait, Condé. dans Wikipédia, il y a quelques Français. Donc, avec un ratio d'1,5, donc vous voyez au niveau de Torstensson, Condé, on a vraiment deux qui, effectivement, hein, se dégagent. J'y reviendrai plus tard. Tilly, qui est effectivement un très bon. Ensuite, on a Mortaigne. Je vous laisse y réfléchir. Donc, oui, je vous ai aidé, hein, j'ai mis Suédois. En fait, c'est un général qui était au service des Suédois. Le problème de Mortaigne, typiquement, c'est qu'en fait, il a rarement commandé réellement en lui-même des armées. Et on va voir, en fait, c'est la faiblesse de ce classement, c'est qu'en fait, à partir du moment où le général, il était. En fait, ce classement n'intègre pas seulement les victoires en tant que général en chef. S'il était à la tête d'un corps d'armée, ben, en fait, il va compter comme une victoire. Et typiquement, Mortaigne, il est au service des Suédois, donc toutes les victoires suédoises, il en a profité. Enfin, dans lequel il a servi. RP qui aime bien ce Banner. move. Qui aime Oui, bien RP ce... Studio, il est pas mal ce classement, mais on en reparlera tout à l'heure quand même, parce Celui de qu'autrement, je vais Stéphane être est mieux, en pas tout fait. de suite. L'idée, c'est que je reste un peu. Banner, effectivement, un excellent général suédois. Gustave Adolphe, inutile de le présenter. Buquoy. Alors, Buquoy, là, c'est un impérial, enfin un impérial, premier impérial. Le problème de Buquoy, c'est comme Mortaigne, c'est-à-dire qu'en fait, il a souvent combattu, mais pas en tant que général en chef. Donc, en fait, il a profité. Enfin, il y a eu quelques combats, quelques petites batailles, on va dire, de petits corps. Mais bon, je veux dire, autrement, si je vous demandais est-ce que vous avez entendu parler de ces batailles, vous aurez autant de mal que moi Elle est citée. à les citer. Ensuite, Turenne, on va le présenter, vous le connaissez, un Français. Et ensuite, il y a un mec qui se pointe. Alors, c'est un Homorave, hein, mais si Là-dessus. je ne l'avais pas eu, je ne connaîtrais pas. Et vous voyez que tout de suite, on passe à 0,55. C'est-à-dire qu'en dessous de Turenne, vraiment, il y a un gap. Alors, French Baguette, et c'est la réflexion que j'allais faire, c'est quid de Wallenstein qui sort du top 10? Malgré tout de même un grand poids sur les armées impériales pendant la période, ne fût-ce que pour ce côté argent recruteur. Mais c'est vrai que lorsqu'on pense à la guerre de 30 ans, en figure, on pense à Wallenstein, et là, il apparaît pas dans le classement. Et voilà, peut-être parce que, Alors, je ne sais pas. effectivement, donc première chose dans ce classement. Pourquoi en fait il bug? Bah déjà, il n'y a pas tout le monde. Alors, il n'y a pas tout le monde. Alors, et sur Wallenstein, alors Wallenstein, en tant que général en chef, il n'en a pas fait tant que ça. Mais en fait, il a quand même au moins. En fait, il a. Ouais, le nombre de victoires. Il n'y a pas tant de victoires que ça à côté Wallenstein. Mais effectivement, c'est étonnant de ne pas le voir loin, pas le voir là, parce que, effectivement, on n'est que sur un critère qui est le ratio victoire sur défaite. C'est ça. Dans les faits, il a une campagne où il se débrouille pas trop mal, c'est un super organisateur. Il a quand même une victoire sur Gustave Adolphe. Je vous laisse En dire laquelle commentaire. dans le chat, pardon. Mais effectivement, première chose, il n'apparaît pas. Ce n'est pas le plus étonnant. Le plus étonnant, c'est qu'il y a d'autres généraux qui ont eu des ratios victoires sur défaite. Alors, soit parce qu'ils ont gagné qu'une seule victoire, qu'une fois, mais qu'ils ont combattu qu'une seule fois. Typiquement, il y a un Français, le duc d'Halluin,
qui a combattu à la bataille de Leucate. Leucate, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur à côté de Narbonne. Il a été à la tête de l'armée, il a gagné contre les Espagnols, et puis après, il n'a pas réellement combattu. Bon, quelques combats peut-être, mais normalement, il devrait avoir un super ratio, sauf qu'il n'apparaît pas là. Il y a d'autres exemples, on a parlé tout à l'heure de Saxe-Weimar. Saxe-Weimar, il a quand même quelques victoires, il a aussi des défaites. Pourquoi est-ce qu'il n'apparaît pas là? Normalement, statistiquement, il doit être au-dessus de 0 Tina. Donc, en fait, on a un problème là. Donc Ce c'est qui pas amène bon. à la question, en fait, qui est, bah, en fait, comment est-ce que, même en étant rationnel, même en essayant d'avoir une approche rationnelle de lire sur des faits, comment est-ce qu'on détermine un bon général? Et le problème, c'est que là, on vient obligatoirement sur un moment, un jugement humain, enfin en tout cas une contribution du jugement humain, et donc, Côté on a un subjectif, ouais. problème, c'est que le jugement humain est biaisé. En fait, donc pour ceux qui ont fait un peu un peu de recherche ou qui s'intéressent à la recherche, quand les scientifiques, en fait, vont traiter des sujets, ils vont, alors déjà, ils vont essayer d'attaquer le sujet sans aucun parti pris, hein, d'éviter les putaclics du genre « quels sont les 10 meilleurs généraux de la guerre de 30 ans C'est ça. ». Ils vont essayer d'avoir une approche plus fine. Donc déjà, ils vont avoir une théorie. Alors, Alors, je vais juste ouais, finis peut-être leur ton faire une baguette. explication et après je ferai les. Finis ton truc Gaston, après je. effectivement, il manque beaucoup de Français. En fait, notamment, et donc là, on va dire, ça va être un premier biais, c'est que déjà, c'est un biais qu'on appelle le biais de sélection, c'est-à-dire que l'idée, c'est de sélectionner un maximum de batailles. Et en fait, on voit que même Wikipédia, il oublie des batailles. Il oublie beaucoup de batailles. Typiquement, les Français, ils étaient très, 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 très nombreux. Il y avait de nombreux Français et il y en avait de nombreux qui étaient très bons. De nombreux qui étaient très bons et dont vous avez probablement jamais entendu parler. Et là, il se trouve que sur Wikipédia, alors si on allait plus loin c'est-à-dire que dans l'intégralité du classement là, de Wikipédia, il n'y a que trois Français, alors qu'ils sont au moins plus d'une vingtaine. Il y a du Polonais, il y a du Morave, il y a de l'Impérial. Il manque de l'Impérial puisqu'il n'y a pas Wallenstein. Mais il manque bah, tout simplement parce qu'il y a des types qui ne sont jamais allés mettre dans, parce qu'il, sur Wikipédia la bataille de Leucate, la bataille de je ne sais trop hein, laquelle parce que je ne sais pas celles qui ont été oubliées. Mais en tout cas, si, Kemper, ah zut, Wolfenbüttel, enfin plein de batailles comme ça qui pourtant sont assez importantes, vous ne trouverez pas. Sous Wikipédia, vous les trouverez sur Internet, mais vous ne les trouveriez pas sur Wikipédia. Du coup, il manque des données. Et ça, c'est le premier biais, en fait. Si on parle guerre de 30 ans, le nombre de batailles est énorme. Et en fait, avoir une vision en ayant comme données l'ensemble des. Et ensuite, Oui, déjà, tout à fait, Hervé j'aurais envie de Studio. dire, pour un Quand peu, même, quand même, ouais, quand même, effectivement, il en manque. pour un peu teaser, c'est aussi la capacité de par son côté La capacité brio. de. Là, ce que toi, tu, à mon avis, on va mettre en avant aussi, et c'est que certes la bataille est importante, mais aussi c'est la capacité aux généraux, alors de par ses mouvements et de par son dispositif, à éviter la bataille et à faire que l'adversaire se replie quand même. Tu vois ce que je veux dire? Alors là, on verra un peu par la suite, mais déjà, va sur les biais là, sur les quelques biais. L'idée, donc, déjà, quoi, tu veux pas? Si, 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 c'est bon, j'ai fait parlons biais. Ouais, et après encore, voilà. En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de biais auxquels il est difficile d'échapper. Le premier, c'est le biais de mesure, c'est-à-dire de bien mesurer, qu'on ait un instrument de mesure qui mesure bien. Savoir, et déjà, vous l'avez dit, hein, déjà, le rapport, il faut qu'on ait le rapport, le vrai rapport en temps. On a parlé de le rapport victoire-défaite, mais aussi par rapport au nombre de pertes. Et en fait, généralement, le nombre de pertes, c'est une donnée qui n'est pas fiable. Donc déjà, est-ce qu'on a des instruments qui permettent vraiment de mesurer? Ce n'est pas évident. Deuxième biais de sélection. Biais de sélection, en fait, on va avoir tendance à sélectionner. Et il y a d'autres biais, par exemple, il existe plus de 200 biais cognitifs, hein, il faut savoir. Je vous donne juste quelques exemples. Troisième biais, aussi le biais de confirmation. C'est-à-dire que quand on a une théorie, quand on adore quelqu'un, alors, vous allez voir que quand je vais présenter mon classement, ça va faire sourire beaucoup du club.
Parce que, effectivement, généralement, ceux qu'on apprécie, on va s'intéresser à eux, on va beaucoup vivre, on va beaucoup lire, on va beaucoup s'intéresser. Et en fait, chaque nouvelle information qu'on va récupérer va ne faire que confirmer l'hypothèse de base en évitant de remettre en question l'hypothèse de base. Donc, en fait, on a beaucoup de biais. Je regarde juste Fresh. Il est Ouais. fini, je ferai un point sur le chat On a après. beaucoup de biais. Et on va faire un petit exercice, hein, on va être un peu pédagogue avant de placer à mon classement, qui est de dire, bah justement, il y a un biais qui est intéressant aussi. Et c'est le suivant. On va vous faire un petit exercice qui est. Alors, on va sortir complètement de l'époque. Alors, j'ai été enseignant, hein, c'est pour ça que je vous fais le truc comme ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez il y a un biais qui est intéressant là, et on va l'illustrer par ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'US Air Force a essayé d'analyser en fait les dommages sur les avions, sur les bombardiers. L'idée était de faire en sorte en fait de réduire les pertes et donc d'améliorer l'avion. Et donc, ils ont fait une analyse, et ils ont regardé en fait tous les points d'impact de la DCA, et en fait, ça a donné ça. C'est-à-dire que là, vous avez un avion, tous les points rouges, c'est les points d'impact. Et du coup, vous, quelle est la conclusion que vous alliez sortir? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous recommanderiez en termes d'amélioration de ce bombardier qui doit être je ne sais pas si c'est un B-17. Et là, je vais vous laisser un peu de temps pour dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait en fait pour réduire les pertes d'avion? On en produit plus. Alors là, effectivement, mais ça c'est plus pour le résultat, mais ça va pas réduire le problème Non. de réduire les pertes. Est-ce que vous avez des idées? Sans aller voir petit sur Internet, Donc je hein, fais un ne point sur prenez le pas chat. l'image, n'allez pas faire Google Images pour voir Alors, prendre côté de la français. hauteur. Merci Frédéric. Effectivement, mais par contre, plus il y a de la hauteur, Moi, on vise bien. plus en fait, c'est le tir est imprécis. Ensuite, on met des rustines. Alors, tout à l'heure, Flashbaguette Merci disait, Adrien. doit-on séparer la guerre de Adrien, vous Troie? êtes au niveau là des analyses de l'US Air Force, c'est bien. En toute logique, vous... intéressant, French Baguette. Oui, French Baguette, enfin une recommandation un peu Sensé. solide, qui est de dire, bah, effectivement, il suffit de reblinder, de mieux blinder les endroits en fait où il y a les trous de balle, en fait. Excusez-moi l'expression, mais où il y a les points rouges. Qu'est-ce qu'il y a derrière? J'ai découvert. Qui était Hans-Georg von Ouais, Arnim. effectivement, ouais. Tu vois, bah voilà, ChatGPT est intéressant, ouais. Même si on n'est pas satisfait. Donc, en fait, merci de cette réponse, French Baguette, parce qu'en fait, tu as oublié un point super important. C'est que là, les données que tu as, ce sont que les avions qui sont rentrés. S'ils sont rentrés, c'est qu'en fait, bah, ils sont pas morts. Et en fait, le problème, c'est pas là où, en fait, les endroits où il y a les balles, mais c'est les endroits où il n'y en a pas. Parce que si jamais vous prenez des balles de DCA dans les moteurs ou dans la cabine, bah, en fait, l'avion ne revient pas. Et en fait, ça, typiquement, ce biais-là, c'est ce qu'on appelle le biais du survivant. C'est-à-dire qu'on a tendance à analyser que les données sur ce qu'on voit. Et donc là, ce qu'on voit, bah, c'est uniquement ce qu'il y a sur les avions qui sont revenus. Le problème, en fait, ce sont ceux qui ne sont pas revenus. Eh oui. Oui, Bien mais joué. même, Poppy, même en dehors de ça, c'est-à-dire qu'effectivement, mais là, tu aurais tendance à dire, enfin, si vraiment on voulait être bon, on dirait qu'il faut blinder mieux les moteurs et dessous le cockpit, en fait, là où il y a le cockpit. Et éventuellement, la queue, parce qu'effectivement, quand il y a trop de trous, enfin, la queue, il risque de la perdre. Donc, en fait, les endroits qu'il faut un peu plus blinder, si on doit plus blinder, c'est exactement les endroits où il n'y a pas de point rouge. Et ça, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le biais du survivant. C'est-à-dire qu'en fait, on analyse les données que sur ce qu'on connaît, et pas sur ce qu'on ne se connaît pas. Et en fait, moi, j'ai une approche là-dessus parce que je suis un gros admirateur de Sun Tzu, et Sun Tzu, il dit une chose vachement intéressante, il dit en fait que en fait, la meilleure des stratégies, c'est d'arriver en fait à l'objectif en évitant les combats, et donc d'éviter les pertes. Je vais juste essayer de retrouver exactement la... Voilà, il dit... Sun Tzu, il dit, le comble du savoir-faire ne consiste pas à remporter toutes les batailles, mais à soumettre l'armée ennemie sans livrer bataille. Et en fait, pour moi, c'est ça. Ça fait partie des critères qui permettent d'évaluer les très bons généraux. Et le problème, c'est que
c'est super compliqué d'avoir des données là-dessus. S'il n'y a pas eu de bataille, bah, comment est-ce qu'on peut dire que le général est bon? Et voilà, vous allez voir, c'est ce qui fait que pour moi, en fait, je vais avoir un classement qui va pas mal différer de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors, autant sur ChatGPT, bon, c'est en fait, ChatGPT, il faut savoir que ChatGPT travaille sur une base de connaissances qui a été créée par les programmeurs, enfin ceux qui ont développé l'algorithme, donc qui est moins extensible déjà que Wikipédia. Wikipédia, on a vu que, merci RP Studio, effectivement. Wikipédia, on a vu que même sur Wikipédia, il n'y a pas toutes les données parce que c'est des en fait bénévoles qui font ça et de temps en temps ils vont et le nombre de batailles étant élevé, on en manque. Donc du coup, c'est assez compliqué. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est intéressant de parler de ces biais. Alors déjà pour vous dire que moi, ce que je vais vous proposer, c'est un classement, mais qui va être biaisé, qui dépend. Même si en tant que scientifique, je vais essayer de faire attention. J'ai pas toutes les données. Je connais très peu les généraux moraves. Hein. Bon, il y en a peu qui se sont distingués. Il y a quelques Transylvaniens qui sont excellents. Je pense à Gabor Bethlen, mais que j'ai pas mis dans mon classement parce que j'ai exclu. Parce qu'il y en a très peu que je connais en fait dans les généraux transylvaniens. Donc, et logiquement, je risque de surpondérer les Français parce que je connais parfaitement beaucoup, beaucoup. Enfin oui, très bien la partie française. Bien sûr, je connais bien aussi les généraux suédois, impériaux, mais vous allez voir qu'il peut y avoir un biais, donc c'est juste une proposition. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai quand même essayé d'intégrer des données qui manquent et qui sont très difficiles à analyser. Et du coup, on va pouvoir. Commencer le J'ai classement. décidé de rester et en fait, j'ai quand même. Il a quand même été pris au jeu. Voilà, pris au jeu et j'ai quand même rendu un travail à Jérémy. Impeccable. Et du coup, je vous propose qu'on commence par la fin de ce que je propose, qui est débattable. Donc Gabor, si tu me Ah, remontes. merci, Arte Studio. Eh oui, exactement. Il n'a pas beaucoup combattu, mais un gros, gros manœuvrier très intéressant. Si tu veux gagner déjà, il faut descendre du bus. Raymond Domenech, grand stratège UFC. C'est ça. Alors, c'est parti, on va commencer par le numéro 10. Ou peut-être, est-ce que tu veux Alors, non, commencer avant. par les mentions honorables? Ouais, il y en a que j'ai pas compté dedans et c'est dommage. Par exemple, vous n'allez pas voir apparaître Bernard de Saxe-Weimar. Alors, Bernard de Saxe-Weimar, il est intéressant parce que c'était quand même un des généraux les plus, comment dire, enfin, qui revenait le plus, enfin, les plus Tenace. hargneux d'Auguste Adolphe. Avec Condé d'ailleurs, c'est des mecs, ils pouvaient revenir 10 fois à l'attaque. Alors lui, il y avait de la perte par contre, hein, parce que donc je vous dis déjà, ouais, Condé déjà, il est aussi sur ce profil-là. C'est des mecs, s'il fallait un peu Napoléon à Waterloo, hein, pour ceux qui ont parlé de Waterloo, ou à la Moscova, tant que ça rompe pas, on y va, on y va. Saxe-Weimar, c'est ça, c'est lui qui a sauvé Lutzen, c'était un hargneux. Il a quelques victoires intéressantes, Rheinfelden notamment, qui est une victoire qui est vraiment, vraiment de sa part. Il a perdu à Nordlingen, hein, mais bon, il y avait trois généraux suédois qui s'entendaient pas. Il a conquéru l'Alsace. Bon, Après, il se c'est met un au service des général qui est Français aussi. intéressant, mais qui, je veux dire, la hargne pour moi ne suffit pas. Et il manque toute cette partie, tout, il lui manque toute cette partie vraiment. Général opératif, général un peu fin, prise d'initiative. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient pu être dans ce classement? Il y a d'autres Français qui sont intéressants, par exemple Harcourt en Italie, sous lequel a servi Turenne. Mais typiquement, est-ce que c'est parce qu'il avait Turenne sous lui ou pas? Mais en gros, non. Si on sort Saxe-Weimar, dans les 10 que je vais vous présenter, on a quand même du. Alors, il manque aussi Plessis Praslin, qui est devenu très bon plutôt à la Fronde, mais qui commence à être bon sur la guerre de 30 ans. Mais voilà, enfin, après, globalement, dans les 10, pour moi, il y a les principaux. Ok, bah allez, c'est parti. On commence par le numéro 10, Albrecht von Wallenstein. Est-ce qu'on a Alors, besoin de j'ai quand même mis présenter? Wallenstein, effectivement. J'ai quand même mis Wallenstein. Alors, il a quelques victoires à son compte. Il a le Pont des Sceaux. Il a donc, oui, un petit combat et quelques petites batailles qui sont peu connues.
Il y a surtout Altavest où il s'est mis en position défensive face à Gustave Adolphe, et c'est une défaite de Gustave Adolphe. Et j'ai mis défaite de Lutzen parce que en fait, c'est une victoire, enfin c'est une défaite, mais qui stratégiquement quand même a fait pas mal de mal aux Suédois, et en fait qu'on pourrait très bien lui mettre comme victoire. Après, Wallenstein, c'est plutôt l'organisateur. Et en fait, l'organisateur, c'est-à-dire celui qui va être un super bon logistique. Et le problème de Wallenstein, et que vous verrez aussi pour moi sur d'autres généraux, c'est qu'en fait, il avait des grosses ressources. Et en fait, quand on a de grosses ressources, en fait, c'est plus facile de gagner des batailles. C'est pour ça que je le mets en dixième. C'est que pour moi, ce n'est pas un grand général, mais il a quand même eu un effet notable et un impact notable sur la guerre de 30 ans. Et notamment dans ceux qui disaient, qui mettaient le côté politique, concrètement, grâce à lui, s'il n'avait pas été là, il y a longtemps que enfin, l'Empire n'aurait pas tenu si longtemps. Et la deuxième chose, c'est que ouais, il a quand même su en fait s'organiser, notamment lever des troupes, réorganiser les troupes. Il faut savoir qu'après la défaite de Tilly à Breitenfeld, il a complètement revu le système, il s'est adapté. Bref, donc il Et mérite quand puis même d'être dans le classement. la Je sais défaite pas de si... Lützen est un peu une défaite en demi-truc, puisque Gustave Adolphe y passe, Et quoi. ouais, exactement, exactement. Alors, on passe donc au numéro 9 avec Johan Banner, Wittstock, Chemnitz et Bohême. Alors, Banner est effectivement un grand général suédois. Alors après, je vous avoue que c'est super compliqué. On va revenir quand même à l'histoire des 10. Pourquoi j'aime pas trop l'exercice, c'est qu'en fait, les classer, c'est super compliqué. Par contre, il y a des groupes de généraux qui vont on peut faire des groupes. Et là, on commence à arriver à partir du 9e vraiment sur du bon général. Banner, c'est un super général suédois, parmi les deux meilleurs de Gustave Adolphe. Que je dise pas de conneries, oui, je crois que j'en ai mis deux dans le classement. Et en fait, il est surtout connu pour sa victoire de Wittstock, qui est une belle victoire. Et après, il a effectivement une deuxième victoire, Chemnitz, un peu moins connue, mais ça reste des victoires, une belle campagne de Bohême. C'est un stratège, et lui, il a du punch, il a de l'agressivité. Voilà, et en fait, il fait partie des deux super... comment dire, super généraux formés à l'époque de Gustave Adolphe. On verra, il y a aussi Torstensson qui est dans ce cas-là, Banner et Torstensson, et sur le qui globalement quand même ont beaucoup mieux réussi que Saxe-Weimar, malgré toutes les qualités de Saxe-Weimar. Alors, Donc un très bon général. petite question, mais peut-être que tu viendras plus tard. On a quand même entendu parler pas mal de généraux suédois. Est-ce qu'au final, Gustave Adolphe, il est aussi bon parce qu'il est Gustave Adolphe ou parce qu'il a aussi de très bons généraux? Bon, en fait, je ne vais pas répondre tout de suite parce que Gustave Adolphe est dans le classement et il y a beaucoup de choses à dire sur Gustave Adolphe, Allez, c'est parti, on continue alors. il y a plusieurs choses sur Gustave Adolphe, il y a Ok. plusieurs choses. Donc on passe au 8e à présent. Eh bien avec Gustave Adolphe. Et ben voilà, je l'ai Très mis en calme. fait en huitième, effectivement, ce qui peut être assez surprenant, hein, Jérémy, ça t'a étonné. Oui, bah oui, parce que de manière, comme je disais, un peu. On se dit, on fait le classement. Mais Gustave Adolphe, c'est un peu le. Général emblématique de la guerre de 30 ans et les gens auraient tendance à le mettre en tout premier. Mais comme nous dit très bien Adrien, est-ce qu'on n'a pas surcoté ou sous-coté les Suédois? Sous-coté, je ne pense pas. Surcoté, peut-être un petit peu. Dans Alors l'historiographie, je pense. attends, j'essaie juste de récupérer parce que le chat, je vois pas tous les, mais c'est pas grave. Alors en fait, les Suédois, non, ils ne sont pas si surcotés que ça. Gustave Adolphe, en fait, je le trouve moi un peu surcoté. Il est génial ce type parce qu'en fait, en termes d'organisation, c'est le type qui a su, comment dire, valoriser en fait toutes les nouvelles tendances de l'époque. Il a vraiment été innovateur sur beaucoup de domaines. Donc en termes d'organisateur, il est très bon. D'un point de vue stratégie, il est aussi bon. Il a fait, avant d'arriver à Breitenfeld, il y a toute la campagne de Poméranie,
hein, où il va manœuvrer. Alors au début, il arrive en Poméranie, on lui fout des généraux qui sont des. Je sais même plus comment ils s'appellent, Mazarino et enfin deux généraux qui sont des brêles, qui n'ont pas trop les moyens. Lui, il arrive avec une grosse armée, il est roi de Suède, donc il a toutes les ressources qu'il veut, donc il les bat sans aucun problème. Mais après, tu y arrives. Là, c'est pas la même L'Empire histoire. appelle la Ligue catholique à l'aide. Et là, il y a toute une partie de manœuvre contre Tilly. Et il est quand même, il reste un bon stratège. Pas un stratège exceptionnel, mais surtout, il a les moyens, il a les ressources. Je veux dire, Wallenstein et Gustave Adolphe sont des. Alors, Wallenstein, juste pour des raisons de richesse, mais Gustave Adolphe, en tant que roi, il a les ressources, il a le commandement, il a un charisme énorme. C'est un meneur d'hommes. Donc, il a énormément de qualités. Donc, il apprend en Pologne, Poméranie, il a quelques victoires, mais bon, qui sont assez faciles. Et en fait, il arrive et là, il bat quand même Tilly à Breitenfeld. Tilly, qui est loin d'être le premier venu. Ensuite, il bat une seconde fois Tilly sur la rivière Lech. Mais bon, Tilly était en, comment dire, en retraite. Et sur le Lech, en fait, sur le Lech, qui est une rivière, il est blessé, il en meurt d'ailleurs, Tilly, donc du coup, cette victoire devient facile. Donc, ça, on va dire, c'est les côtés positifs. Donc, Breitenfeld, quand même, grosse victoire. Mais à Breitenfeld, il est aussi super bien secondé. Hein. Il a Banner, il a. Je crois que Torsten Stone doit commander son artillerie, je crois. Ensuite, il est repoussé à Altevest, et là, c'est un peu, je veux dire, du Waterloo, quoi. Je veux dire, je veux dire, en fait, c'est une défaite qu'il aurait pu éviter. Et Lutzen, ça a beau être une victoire reconnue suédoise, bah, en fait, stratégiquement, bah, déjà, il s'investit un peu trop, il y trouve la mort. Il attaque quand même Wallenstein qui est dans une position super super solide. Hein. Je ne sais pas pour ceux d'entre vous qui ont essayé de reconstituer Lutzen, ou d'ailleurs on l'a fait au club. C'est quand même assez intéressant, c'est quand même assez compliqué comme position. Et au bout du compte, c'est la, comment dire, la hargne de Saxe-Weimar notamment et de comment il s'appelle celui qui est le Suédois. Je sais, j'ai oublié le nom du Suédois qui est la réserve. Il s'acharne et en fait c'est Wallenstein, c'est les nerfs de Wallenstein qui rompent avant alors qu'il n'y avait pas de raison, quoi. Et d'ailleurs, Donc, je vous invite à aller voir la vidéo, puisque du rapport qu'on avait fait au club, on était une dizaine, je crois, un jour, on avait des chaque côté, c'était ouais. super cette bataille. Et c'est donc c'était Stéphane qui avait fait le scénario. Et ça s'était plutôt bien retranscrit la bataille, c'est-à-dire qu'il y avait une aile suédoise, ah, je crois que c'était l'aile droite suédoise qui avait pété l'aile gauche impériale, de par des charges de cavalerie, mais au centre, ça s'était neutralisé. À l'aile gauche, c'était pas passé parce qu'il y avait la ville, je crois, qui servait Oui, côté ville, d'appui. c'était compliqué. Et en fait, c'est oui, au final, mais après avoir explosé cette aile, ben, les Suédois se sont retrouvés OK, mais face au piquet et tout ça. Donc c'était assez bien retranscrit. Voilà. Et oui, en fait, on était arrivé jusqu'à ce que les secours arrivent, l'infanterie arrive, puisque dans Lutzen, il y a Pepenheim qui arrive avec la cavalerie. Oui. Et l'infanterie arrive beaucoup plus tard. Et en fait, Wallenstein, je crois, a déjà décidé de retraiter. Alors que nous, dans la reconstitution, quand même, les bataillons d'infanterie qui arrivent, ils permettent de, en fait, de neutraliser. Il n'y a pas vraiment une victoire. Du coup, French Baguette, effectivement, Gustave Adolphe, il meurt trop tôt, mais il laisse quand même de très très bons généraux. Le problème, c'est qu'effectivement, du coup, après la mort de Gustave Adolphe, c'est le chancelier Oxenstierna qui est le Richelieu, en fait, le Richelieu suédois qui gère. Mais donc, l'intérêt maintenant, c'est que Oxenstierna, putain, j'aurais du mal à le dire, il gère de loin, il a de bons généraux, il a loué les ressources, donc en fait, il a un peu le rôle de Richelieu en France, et je reparlerai tout à l'heure de Richelieu, mais ça permet quand même de mieux gérer l'ensemble des théâtres d'opération. Néanmoins, Gustave Adolphe reste un très bon général. Ça ne me choque pas qu'il y en a qui le mettent en premier, en deuxième. Moi, il lui manque des choses pour vraiment le mettre dans mes meilleurs. RP qui dit, Lutzen, si les impériaux avaient appris la mort de Gustave Adolphe,
c'était fini pour les protestants et quel rôle, oui. Je dirais pas jusque la RP Studio parce qu'il y a quand même, il y avait quand même, et quel rôle? Il y avait quand même la moitié de l'armée suédoise qui était intacte. Le problème, c'est qu'effectivement, Suédois, Gustave Adolphe, il meurt. En même temps, il perd les deux régiments de vétérans, le Vieux Bleu et le Jaune, qui se font massacrer parce qu'il les envoyait un peu seuls. Bon, après, il reste quand même tout le reste de l'armée suédoise qui est intacte. Non, peut-être que ça aurait fait un nul. Je ne crois pas qu'on serait arrivé quand même à une défaite suédoise. Peut-être, mais en tout cas, a priori, ce n'est pas si évident que ça. Ok, donc on passe. Donc c'est un peu long, mais c'était à mon avis essentiel pour expliquer pourquoi finalement Gustave Adolphe dans ton classement n'était pas Il n'est que huitième. n'est Il n'est que que huitième. huitième. On passe maintenant au septième et Jean-Baptiste Bude de Ah. Guébriant. Alors, ce qu'on arrive à, c'est que là, on arrive, le septième que je mets, moi, c'est un mec qui est pratiquement inconnu du grand public et qui pourtant est très, très intéressant. Il a eu malheureusement une carrière très courte. Je ne l'ai pas cité tout à l'heure ou très rapidement. J'ai cité dans ceux qui ont plus gagné que perdu, j'ai cité le duc d'Halluin, hein, qui n'est pas dans le classement parce qu'avec une seule victoire, une seule bataille, ça ne compte pas. Enfin, c'est difficile d'évaluer la qualité d'un général. Là, Guébriant, il est à la tête de l'armée d'Allemagne. C'est-à-dire que, au début de la guerre, Richelieu, quand il rentre en guerre, il a quelques armées à la tête duquel il va mettre tous ses courtisans. Il peut Bah, remonter vite. on fera le chat après, vas-y, Ouais, on Stéphane. verra après. Donc, on va avoir par exemple Brézé, Châtillon sur l'armée du Nord qui va aller, d'ailleurs, qui ont une victoire, mais en surnombre en 1635 à Avin, mais qui sont pas bons, quoi. Il y a les maréchaux La Force et La Valette entre la Champagne et la Franche-Comté et la Bourgogne, qui sont aussi plutôt des courtisans, des nobles qui sont nuls. Et notamment, je crois que c'est La Valette au début qui est à la tête de l'armée d'Allemagne. Et en fait, rapidement, ce que va faire Richelieu, c'est qu'il va embaucher Bernard de Saxe-Weimar. En 35, Saxe-Weimar passe au service de la France. Il va notamment gagner une victoire à Rheinfelden. Et donc, l'armée d'Allemagne part sous commandement français. Et à la mort de Saxe-Weimar, eh ben, il faut trouver un nouveau général. Et donc, c'est Guébriant, le maréchal Jean-Baptiste Bude de Guébriant, qui prend la tête de l'armée. Guébriant, il commence à Brissac, mais je crois que Brissac, je l'ai mis, mais en fait, je crois qu'il est juste au service de Saxe-Weimar. Mais après, il a deux superbes victoires, alors, qui sont celles de Wolfenbüttel et de Kempen. Guébriant, c'est un protestant. C'est très intéressant, et je reviendrai sur le sujet, parce que beaucoup des généraux que j'évalue comme bons sont en fait des protestants. C'est-à-dire que ce sont des généraux qui ont souvent appris des protestants, donc soit de toute l'historique qu'on a en France des guerres de religion où les généraux protestants huguenots étaient vraiment très bons, et après il y a eu vraiment des échanges avec la Hollande, je pense notamment à Turenne qui allait se former en Hollande, suite à partir des généraux hollandais, mais des généraux hollandais qui ont aussi beaucoup appris des Français, hein, sur nos guerres de religion. Et donc, en fait, les protestants, c'est souvent des gens qui vont grimper les échelons, mais au mérite. Et donc, Guébriant, c'est un protestant. Et dernière chose, Richelieu, il va mettre à la tête de l'armée d'Allemagne, qui est constituée essentiellement de Weimariens, des protestants, puisque les Weimariens sont protestants. Et en fait, donc, de façon à ce que, ben, en fait, il garde l'armée, enfin, il arrive à maîtriser l'armée. Et donc, Guébriant est le premier, après Saxe-Weimar, qui prend l'armée d'Allemagne et donc qui est constituée en grande partie de Weimariens. Il y a quelques régiments français. Et donc, la première chose, c'est qu'il réussit à faire quelque chose, c'est de s'allier. Alors, d'aller. D'ailleurs, il est appelé par les Suédois parce que donc là, on est en 1642. Non, Wolfenbüttel, c'est même 1641. Rappelez-vous, Gustave Adolphe meurt à Lützen en 32. Suite à sa mort, bah, il y a les généraux qui partent un peu chacun de leur côté, Horn de son côté, Saxe-Weimar de son côté, le troisième c'est, je me rappelle plus, j'ai oublié, mais c'est pas grave, de son côté. Il réussit plus ou moins à s'entendre pour essayer de,
ils ont à eux trois subir une grosse défaite à Nordlingen en 1634. Et là, grosse défaite. Et du coup, il n'y a plus vraiment, ou enfin en tout cas, les armées suédoises commencent à être un peu légères. Et donc les Suédois, en 1641, ils se sont refaits, notamment grâce à Banner qui a gagné Wittstock en 1636. Mais donc il continue à être vraiment, vraiment une très très bonne armée, mais par moments, plus ou moins, avec l'attrition, ils ont des faiblesses. Et en 1641, c'est un peu compliqué, ils appellent les Français à l'aide. Et donc, il y a Guébriant donc avec son armée franco-weimarienne, qui réussit à joindre à contourner les impériaux, à joindre les Suédois, à ramener avec eux ah zut, trou de mémoire, c'est pas grave, un petit duché, les Brunswickois, pardon, les Brunswickois. Et donc, avec cette armée coalisée, ils font face aux impériaux qui, eux, ont aussi la Ligue catholique. Alors, à l'époque, la Ligue catholique donc, est essentiellement constituée de Bavarois, donc d'impériaux et de Bavarois. Et là, il gagne une belle victoire à Wolfenbüttel, ce qui lui fait d'ailleurs gagner son bâton de maréchal. Et en fait, l'année suivante, il va refoutre une tannée aux impériaux à Kempen. Le problème, c'est qu'il meurt peu après. Et donc, en fait, c'est un général qui est très intéressant, qui a que des victoires à son actif, mais qui meurt très tôt, un peu comme Gustave Adolphe. Exactement. Je vous ai mis dans le chat le lien sur le site Tertios de l'article qu'avait fait Stéphane sur cette bataille, la bataille de Wolfenbüttel du 29 juin 1641, si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur Jean-Baptiste Bude de Donc, bataille très peu connue, mais qui est très intéressante. Et à Guibriant. noter, donc, pour tous ceux, là, j'ai vu qui se mettent à Tertios depuis peu. Sur le site Tertios, vous verrez, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de scénarios de bataille pour Tertios, y compris des batailles très peu connues. Et effectivement, il y a Wolfenbüttel dessus. Je ne sais plus si j'ai mis Kempen. J'avais commencé à faire un truc sur Kempen. Vais regarder. Je ne sais pas si j'ai mis Tertios. French Baguette qui nous dit le problème de beaucoup de généraux de la période, quel que soit leur camp, c'est qu'ils sont trop souvent remportés des victoires à la Pyrrhus, pleines de lustre, mais qu'ils usent beaucoup leur armée. Et donc Oui, c'est le facteur que disait Stéphane, hein, de exactement. d'user Et là, ses. je suis complètement en phase. Et ça, moi, c'est un critère qui est important. Donc voilà pour le septième. Et je vous mets la Et bataille de brillant. Kempen qui en effet avait fait l'objet d'un article sur le site. Donc comme ça, vous pourrez aller jeter un œil, bataille de Kempen du 7 janvier. Du 17 janvier, pardon. 1642. On passe peut-être maintenant au sixième. Le sixième. Avec Henri, duc de Rohan. L'Henri II, duc de Rohan. Alors, encore un Français. Donc, vous voyez que moi, dans mon classement, il y a beaucoup de Français. Rohan, c'est un général que j'aurais pu mettre dans les trois premiers. Il est pour moi, il fait partie des excellents généraux. Et en fait, il apparaît qu'en sixième place. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment de bataille emblématique qui est restée à son compte. Néanmoins, d'un point de vue stratégique et d'ailleurs, là où il a été mis par Richelieu, il est très intéressant. Donc, le Henri duc de Rohan, il est connu au début parce que il est protestant et il est dans donc les guerres de religion sont pas terminées et il se révolte donc contre Richelieu et il tient là avec une petite armée. Notamment, il y a sa campagne des Cévennes qui est très connue, c'est-à-dire avec trois fois rien face aux armées royales qui sont énormes. Hein. Il y a Louis XIII, Richelieu, ils descendent pour démonter les protestants, les huguenots, dans tout le sud-ouest, hein, Privas, Montpellier, Montauban, La Rochelle, tout ça, c'est des noms qui doivent, j'imagine, vous rappeler quelque chose. Et en fait, avec une petite armée, il arrive à tenir la chique dans les Cévennes pendant un bout de temps. Alors, il finit par une défaite à Privas. Mais là, vraiment, en termes de rapport, je veux dire, il a très peu de moyens et il arrive à vraiment tenir le coup assez longtemps. Et à tel point que, suite aux guerres de religion, Richelieu, il n'est pas insensible à ses qualités et, fait exceptionnel, il va le prendre et le nommer à la tête d'une armée, de l'armée qu'il va envoyer en Valteline. Alors là, la Valteline, c'est très intéressant. Alors, personne, enfin très peu, savent ce qui s'est passé en Valteline. La Valteline, c'est une partie de la Suisse, à l'est de la Suisse, qui est très importante parce que c'est par là que passaient les renforts espagnols que l'Espagne envoyait
aux Pays-Bas. Et d'ailleurs, petite parenthèse, vous pouvez retrouver un article sur la route comme ça entre l'Espagne et la. Non, entre les Les Pays-Bas territoires espagnols. impériaux et Via le Milanais, c'est via ça, le en fait, Milanais. voilà. Dans Guerre et Histoire, le précédent, pas celui de ce mois, mais celui du mois de février. Enfin, voilà. Et donc, où ils expliquent les différentes routes en fonction, eh bien, évidemment, du conflit. La route se déplace ou change. C'est un très, très bon, c'est de Jean Lopez, je crois. Voilà, tu peux reprendre. Tout à fait. Et sur ce point, Richelieu, alors Richelieu, il a juste été à la tête deux fois des troupes. Il n'est pas dans le classement parce que pour moi, c'est pas un vrai général. Mais d'un point de vue stratégie, sa stratégie, elle est vraiment excellente. Et lui, la problématique, pourquoi Richelieu, un catholique, va s'opposer, enfin, va pousser Louis XIII à s'opposer à tous les autres pays catholiques, c'est juste parce que l'Espagne, mine de rien, elle encercle la France. À travers les Pays-Bas, à travers les Habsbourg, donc sur l'Allemagne, qui sont en train de, dans les années 1620 et 1630, suite à Nordlingen, à prendre le dessus. Et donc, il se sent encerclé. Et donc, dans les éléments, il va envoyer une armée, enfin deux armées, non, une armée dans les Pays-Bas, donc commandée par Brézé et Châtillon au début de la guerre, de façon à soutenir les Hollandais, les Pays-Bas. Et la deuxième action qu'il a, c'est d'envoyer une petite armée. Donc il va donner le commandement au duc de Rohan, dans l'est de la Suisse, en Valtelline, de façon à couper la route qui permet aux Espagnols de monter leur renfort, justement, en Hollande. Donc au début, vous voyez, il essaye vraiment de favoriser et d'aider les Hollandais, plus que de s'engager directement. Et en fait, il envoie le duc de Rohan, mais Rohan, c'est un protestant. Richelieu admire ses qualités, mais il ne l'aime pas particulièrement, et donc il va lui donner très peu de ressources. Alors déjà parce qu'il est obligé de puiser les ressources dans d'autres armées, celle de la force en Lorraine, etc. Et donc, avec une petite armée de 12 000 hommes, il va partir. Et il va se retrouver entre deux armées, une commandée par un Italien dont j'ai oublié le nom, et l'autre par Fénarmon. Alors attendez, Fénarmon, Cerbellone, voilà. L'armée du Milanais qui est essentiellement espagnole, donc qui est commandée par Cerbellone, et une autre armée, donc plus d'impériaux, qui vient d'Autriche, donc du Nord-Est, et qui est commandée par Fénarmon. Et avec sa petite armée, il va arriver à neutraliser ces deux, et notamment, il va avoir quatre victoires. Enfin, il y en a deux, en fait, qui sont peut-être un peu, allez, on va dire trois grosses victoires, deux sur Fénarmon, et la troisième, Orbegno, sur Cerbellone. Et donc, il va neutraliser pendant une année complète, c'est en 1635, donc c'est au début de la guerre. Il va tout neutraliser et en fait, il va être d'une super efficacité, quoi. Aucune défaite, que des victoires. Enfin, je parle vraiment pendant la guerre de 30 ans, hors guerre de religion, avec très peu d'éléments, très peu de troupes, territoire de montagne, champ de bataille très compliqué. Et il va gérer les deux, avec en plus en n'étant pas très bien secondé. Je pense notamment à Landais, qui est un de ses généraux qui est un peu réticent. Et donc, en fait, il se trouve que. Donc, après 1635, il ne se passe plus rien. Donc, il se passe plus rien. Il a neutralisé ses adversaires. Sauf que on est en Suisse, on a des problèmes entre les Valtelins et les Grisons. Les Valtelins ou les Grisons commencent à dire non, non, il y en a marre, et donc ils vont essayer de traiter eux-mêmes avec les Valtelins. Et donc, en fait, c'est d'un point de vue diplomatique que tous les gains de Rohan en fait, vont être perdus par la suite, parce que en fait, l'armée va finir par être chassée, mais pas par une histoire de défaite, juste parce que les Suisses n'acceptent plus les Français sur leur territoire. Donc, sincèrement, pour moi, c'est du tout bon. D'ailleurs, il a écrit un traité. Mais par contre, effectivement, il a pas été. Il n'y a pas de victoire emblématique à la Bretonfield, à la Rocroy, qui permet vraiment de. Ou à la Wittstock, qui permet vraiment de le placer dans les tout premiers. Pour vous dire, donc à un moment on a fait un pic à 14 sur le live, là on est 12 actuellement. Écoutez donc le classement que nous a fait Stéphane des 10 meilleurs généraux de la guerre de 30 ans. Comme quoi il n'y a pas de front secondaire, nous dit French Baguette. Hein. Quand on y réfléchit, Bonaparte aussi avait été nommé aussi sur un front Exactement. secondaire en Italie en Exactement. 1796, en effet avec des troupes loin d'être aguerries. Et il s'en est brillamment sorti. Donc là c'est pareil. Hein, Henri Duc de Rohan est envoyé avec, sur Wikipédia, ils disent 15 000 hommes, 12 000 hommes, c'est ça, hein, en tout cas une petite Ouais. force, combattre pour couper la route des impériaux. La route, je sais plus comment elle s'appelait, je sais pas si la route La de
Elle avait un nom, cette route qui allait du Milanais aux Pays-Bas, mais enfin, c'est par là que effectivement tous les renforts devaient passer. Donc voilà, On passe maintenant on au s'est dit. cinquième avec Louis Duc d'Enghien, en gros Alors, Condé, le en grand fait. Condé. Alors, d'Enghien, effectivement, je le mets cinquième. Alors, d'Enghien, c'est une. Dans Enghien, donc le futur Condé, fait partie des généraux un peu compliqués. Enghien, il commence, alors comme il est effectivement famille royale, hein, c'est la branche des Condés, donc il s'appelle Enghien à l'époque de Rocroi parce qu'il est, en fait, il deviendra Condé que vers, j'aurais pu mettre Condé parce que sur, je crois que c'est en 1644 ou 1645 qu'il Son prend le père. titre. Il commence à Rocroi, il est mis à la tête de l'armée à Rocroi, d'une grosse armée, hein, armée de Champagne de mémoire, Très et jeune. là, victoire. Bon, il se trouve qu'il est tout jeune. Et qu'il est surtout bien secondé, notamment par Gassion. Hein, Oui, je ça a sais été plus qui évoqué avait tout à l'heure. Gassion, qui était jusque-là un général de cavalerie qui avait été au service de la Suède, français, mais au service de la Suède. Il avait donc ses premiers vraies armes. Et en fait, bon, la victoire, on va dire qu'il a surtout, il a surtout écouté les bons conseillers. Et bien été aidé par Gassion d'un côté et Siro avec la réserve sur une bataille qui avait très mal commencé, puisque la Ferté-Sénotaire à gauche, lui, par contre, avait fait pas mal de conneries et c'était un peu compliqué. Donc, du coup, Condé, comme un Wallenstein ou un Gustave Adolphe, il va profiter de ressources parce que lui, il va avoir les moyens qu'il demande. Donc, à part Rocroi, on a quoi? Fribourg et Hallerheim. J'y reviendrai. Fribourg et Hallerheim, qui est aussi appelé Second Nordlingen, c'est deux victoires, mais vraiment à la Pyrrhus. Et en fait, il les a gagnées aussi grâce à Turenne, qui était un peu plus finaud. Donc, ensuite, il prend Dunkerque, c'est un siège. En Catalogne, il prend Lérida, mais c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, la campagne de Catalogne est plutôt un échec. Donc, en fait, quelques belles victoires. Je pense à Rocroi. Il lance après la Fribourg victoire. Hallerheim, c'est des victoires à la Pyrrhus. Mais par contre, je le mets cinquième parce que la dernière, Lens, 1648, est un petit bijou. Lens, c'est un peu l'Austerlitz de Condé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une victoire où il arrive face à un des généraux impériaux qu'on retrouve régulièrement à la tête d'une armée et qui ne se prend que des tôles, qui est le duc Il Léopold, n'est pas dans le classement. l'archiduc Léopold. Ah ouais, non, en nombre de défaites, lui, c'est le champion du monde. Et à chaque fois, comme c'est effectivement l'archiduc, donc le fils de l'empereur, bah, il se reprend à chaque fois des armées. Donc, de temps en temps, on essaye de lui coller des généraux pour l'assister. Et donc, là, il arrive face à l'archiduc. Je ne sais plus s'il a Piccolomini ou qui pour le conseiller avec lui, Regardez. mais bon. Et donc, Condé arrive face à une position forte. Et en fait, Condé va faire comme Napoléon à Austerlitz, enfin en tout cas l'aile droite. Il va faire semblant d'avoir peur et il va essayer d'attirer, en fait, de faire sortir les impériaux de leur position. Donc, ils reculent, ils s'en vont. Les impériaux confiants, hop, ils suivent. Et là, pam, ils se trouvent face à l'armée qui s'est redéployée un peu plus loin, derrière la colline, en position force. Et là, victoire de Condé, donc une très, très belle victoire. Donc, c'est cette victoire qui fait vraiment qu'il arrive quand même en cinquième position, parce que vous allez voir quand même, il y a du lourd derrière. Mais L'archiduc Léo, autrement, c'est pas nécessairement sur la guerre de 30 ans qu'il est vraiment bon, quoi. c'est le général Jean de Beck qui était avec lui, général de division Jean de Beck. Ouais, Beck, ouais, qui est pas vraiment un bon non plus. Ouais, donc Alors la cavalerie wallonne composée sous Boucquoi, ah oui, Boucquoi. il y avait Bucquoy qui fait partie, alors qui était d'ailleurs, si vous avez vu, hein, Bucquoy, il était dans le top 10 de Wikipédia. Ouais, Under Boucquoi et voilà. Ok. Donc voilà pourquoi Condé n'est que cinquième, alors qu'effectivement, ça fait partie des. Parce qu'il avait les ressources, parce que stratégiquement, enfin sur Fribourg et Hallerheim, il est un peu bourrin. À Mais la bon, il y a Weimar, quoi. Lens. Ouais, voilà, c'est un Weimar. Mais il y a Lens. Et Rocroi, j'estime qu'il est encore un peu jeune. Mais par contre, Rocroi, c'est quand même intéressant parce qu'en fait, il a quand même pris les bons avis. Il a suivi les bons avis. Et ça, quand même, ça veut dire qu'à l'origine, il y a du bon, quoi. Oui, il sait écouter quoi. Ok, donc c'est vrai que moi j'aime bien, moi ce qui me fait tout, quand j'ai commencé à m'intéresser à la guerre de 30 ans,
C'est l'idée que le type, je crois, il a 18 ans, ou enfin, il a quel âge à... c'est un gamin, alors, je crois. Il est ouais, il a pas 20 ans, je sais plus Il a l'âge pas qu'il a, mais 20 ans, il débarque, et on lui... Enfin, c'est vraiment trop les... Tu sais pas si le mec a été mis là parce qu'il s'appelle le Duc d'Enghien, ou parce que clairement, on peut pas dire par rapport à ses expériences, quoi. ah, si, en fait, c'est Condé. Avant lui, en fait, son père, Condé, avait eu, on lui avait confié un moment l'armée, je crois qu'il a pris l'armée de Bourgogne, Ouais. Franche-Comté. Donc, je veux dire, là, c'est typiquement, ouais, typiquement l'incontournable. C'est ça. Et Et puis donc, après, ça devient le grand Condé aussi parce qu'il va continuer à combattre, que ce soit par ouais, il la va fronde. continuer à être, Il voilà, revient, il se met au service sous Louis de Louis XIV. XIV. Donc c'est un de ceux qui a eu quand même une carrière assez. Ben comme un autre. Allez, on Et continue. vraiment, sa très belle victoire, c'est Lens. Ouais. Là, s'il y a une victoire incontournable, c'est Lens. RP qui nous fait un peu un chant. On est là, même si Valencia ne veut pas. Nous, on est là. Chant suédois. Il a clairement été mis à la tête de l'armée car il était le neveu de Louis XIII, mais malgré tout, quel charisme le mec. Oui, il y a un très beau tableau sur Ouais. la bataille de Lens, c'est celui qu'on avait utilisé pour la... Je crois que c'est celui que j'ai utilisé pour la convention Tercios, quoi, où on le voit diriger les troupes avec son beau cheval blanc. C'est un très joli Ouais, tableau. non, clairement, il a un bon charisme, mais effectivement, ouais. Non, non, il Ok. est. Donc, le grand Condé, Louis, Duc d'Enghien, 5e, on rentre dans 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 la le top 4. première moitié avec... Johan Tersen, comte de Tilly. Alors, effectivement, le prochain, c'est Tilly. Dès que, voilà, Tilly, donc. Alors, drapeau bavarois, non? Non. Non. Alors, oui, pardon. En fait, c'est le drapeau de la Ligue. Lui, Tilly, il est wallon, il est belge. D'accord, oui. Il est belge, de Ok. Tilly. Par contre, c'est lui qui prend la tête de la Ligue catholique. Alors, j'ai mis le drapeau bavarois parce que la Ligue catholique, elle est essentiellement approvisionnée par la Bavière. C'est-à-dire que la D'accord. Bavière en fait, ne fait pas partie de l'Empire. Enfin, c'est un électeur. Et donc, au début, Ferdinand, quand il se lance dans la guerre, il n'a pas d'armée, il a très peu de monde. Et en fait, il demande au duc de Bavière des troupes. Et en fait, la Bavière fait une ligue catholique avec des petits États. Ouais. Mais c'est principalement la Bavière. Et donc, le duc de Bavière met Tilly à la tête de ses troupes. OK. Et lui, effectivement, donc entre 1620 et 1630, on va dire, c'est une succession de victoires. La Montagne Blanche. Alors, il a une petite défaite à Wiesloch qui n'est pas très mauvaise. Enfin, comment dire, qui n'a pas trop de conséquences. Victoire à Wimpfen, victoire à Hoechst, Heidelberg, ça, il prend une ville. Mannheim, c'est pareil. Victoire à Stadholm contre les Danois. Danois. Victoire à Pont-des-Sceaux contre les Danois et à Luther. Prise de Magdebourg. Magdebourg. Alors là, en fait, bon, j'ai mis de Magdebourg, mais c'est un peu un scandale. Mais en fait, il fout le feu à Magdebourg, mais bon, c'est pas lui vraiment qui met le feu. Et ensuite, donc en fait, c'est le général, c'est celui en fait qui fait que les protestants vont chercher les Danois puis les Suédois, parce que personne n'arrive à le battre. Et ensuite, effectivement, défaite à Breitenfeld contre Gustave Adolphe. Défaite qui ne tient pas à grand-chose. Hein. Je veux dire, c'était quand même une bataille qui était relativement équilibrée. D'un côté, il y a son aile droite, dont j'ai oublié Je vais te dire ça tout de lui, suite. qui défonce l'aile gauche suédoise constituée des Saxons. L'aile gauche catholique, à l'origine, elle arrive à repousser d'ailleurs la cavalerie suédoise. Mais bon, à l'usage ensuite, la ligne, en fait, il perd son aile. Alors déjà, il y a. Ah, c'est qui le suédois, le général de l'aile droite? J'ai oublié, mais Je c'est vais pas te dire grave. ça. Je vais sur la Ouais, tu vas me bataille. dire ça. Je dois l'avoir, attends, attends, je dois l'avoir sous la main là. Je dois l'avoir sous la main, puisque j'avais fait un scénario sur la défaite de l'aile saxonne. Est-ce que je le retrouve? Force déployée hors de bataille, je l'ai là. Alors, l'aile gauche, tu l'as quelle? L'aile droite. L'aile droite de Tilly. L'aile droite L'aile de droite. Tilly. L'aile droite de Tilly, c'est Egon Fürstenberg. C'est Fürstenberg, Et voilà. Fürstenberg au centre, Fürstenberg qui va démonter les Saxons qu'il a en face. c'est Schönbrügg au centre et c'est Et là, Pappenheim il y sur a la gauche. la réserve suédoise qui arrive après, donc qui arrive pour parer donc à ce pour donc les Saxons sont en fuite. Et donc la réserve suédoise arrive à neutraliser ensuite Fürstenberg. Et sur l'aile gauche impériale, donc la gauche de Tilly,
Dans un premier temps, il repousse ses doigts, mais ensuite, il finit par perdre. Donc, c'est une bataille très équilibrée. Défaite quand même de Tilly face à un grand général. Hein, je l'ai Oui. mis, même si je l'ai, ça peut être contestable, mais même si Gustave Adolphe est plus loin dans le classement, il reste quand même un super général. Et ensuite, la seconde, enfin la dernière défaite, c'est qu'en fait, il meurt sur le Lech. Et de toute façon, comme Gustave Adolphe à Lützen, difficile de voir d'estimer comment aurait terminé cette bataille s'il était resté. Enfin, ceci dit, il était bien blessé et on peut dire qu'il était, enfin, il était déjà à l'article de. De la Parce mort. que il était, ou non, il était déjà bien malade et enfin, il était déjà bien diminué sur le lait. Toujours est-il que ça reste quand même un excellent général qui, quand même, est resté invaincu pendant près de 10 ans. Puis c'est surtout lui qui a mis en PLS les protestants quand même. Exactement. Qui a mis en PLS les protestants. Puisqu'en fait, si les protestants vont toujours chercher des ressources ailleurs, comme tu l'as très bien dit, danois, suédois, c'est parce que le type est imbattable. Donc ça, c'est clair que ça en fait peut-être le meilleur chez les impériaux, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, on voit qu'après, ça a été plus compliqué pour les impériaux, même si bon, ils sont allés Bah, chercher. le problème, c'est qu'en fait, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, avec la mort de Tilly, c'est aussi un peu. Alors, la Ligue catholique, elle meurt, donc il reste le duc de Bavière qui va prendre des généraux. On a vu tout à l'heure Mercy, notamment. Ils ont eu quelques. Donc, c'était plus une armée bavaroise, commandée par des Bavarois, mais qui a eu moins d'impact par la suite, tout à fait. Et surtout, il leur manquait un bon général, comme dit. Ouais. Alors, on en rentre dans le top 3. Peut-être qu'on va faire juste une petite minute là. Je vais lire le chat pour. Est-ce que vous Ouais. pouvez dire votre top 3? C'est-à-dire que là, normalement, voilà. Donc, il y a Tilly, c'est limite un condottiere wallon. French Baguette qui dit un Belge soutenu par les Bavarois qui luttent pour reprendre Prague. Allez, avouez la guerre de 30 ans, c'est surtout une histoire de bière, ça. On pourrait utiliser d'ailleurs ça pour la convention. Tu nous donnes des idées là. Que dire que les Danois sont une ressource? C'est un euphémisme. Ah là là. Non mais en effet, donc là, c'est le temps pour arriver. Donc le top 3, selon vous, qui est dans le top 3 de ces généraux établis par Stéphane? Donc là, quand même, on a quand même passé un certain nombre de cadors. Je vais peut-être vous refaire un peu le classement. Donc en 10, on avait Wallenstein. En 9, on avait Johan Banner, donc un officier Suédois. suédois. Ensuite, on avait Gustave Adolphe, un peu loin dans le classement, mais Stéphane a justifié ça sur un certain nombre de critères que vous pouvez. Critiquable, critiquable, mais voilà, Voilà. effectivement. Le... Jean-Baptiste Butte de Guy Briand, là c'était un peu le petit C'est brillant, Guy court. Briand, la petite madeleine de Proust de Stéphane, hein, qui nous a montré un Ah peu oui, moi j'aime bien Guébriant comme roman. les talents de ce général. Ensuite on avait Henri II, duc de Rohan. Moi honnêtement je ne savais même pas qui c'était. À part les Mais cavaliers de Rohan. voilà. Mais en tout cas, il a été brillamment présenté sa campagne donc en Italie, en Suisse, hein, pardon. En En Suisse, ensuite, Valteline, ouais, exactement, Valteline. qui Ensuite, il y est avait vraiment sur l'est de la Suisse. Laurent qui nous fait son retour. On espère que tu seras là pour la convention, Laurent. Il faut que ça soit un Suédois. Ah, Suédois, je ne sais pas. Je ne sais pas d'ailleurs, Non, c'est quoi? il a dit un Hollandais, il veut un Un Hollandais. Hollandais, oui, pardon. Les Hollandais, les Hollandais. On va voir, on va voir. Donc, ensuite, on avait Louis, le duc d'Enghien, pour le nombre de victoires, en particulier la Oui, bataille de Adrien, Lens. bien sûr, Adrien, bien sûr, on ne peut pas l'oublier, lui. Et enfin, donc on vient de le faire, c'était le comte de Tilly, un peu le goat des catholiques. Hein. Voilà, le seul Le que j'ai réussi à placer. médaille d'argent, médaille de bronze, je ne sais pas, mais Turenne et pas médaille d'or, ben c'est pas juste. Ah, là il met une petite pièce sur Turenne. Il y a Turenne aussi pour Adrien Reynaud. Donc on va commencer ce classement. Est-ce qu'on peut y aller, Stéphane? Allez, je suis prêt. Allez, tu es prêt? C'est votre Numéro dernier mot, 3, Jean-Pierre. Frédéric Henri, prince d'Orange, du Hollandais, Du Laurent, Hollandais pour pour Laurent. Du toi. Hollandais pour Laurent. Donc c'est parti, présente-nous donc Frédéric Henri, prince d'Orange. Alors, Frédéric Henri, prince d'Orange, j'ai beaucoup hésité à le mettre là. Alors, déjà, je ne suis pas un spécialiste des Hollandais. Surtout, ce n'est pas en Hollande qu'on a eu les batailles les plus emblématiques. C'est Laurent le Bon, il se spécialiste des trouve Hollandais. que, si vous vous rappelez dans le classement Wikipédia, il était largement au-dessus du lot avec un ratio victoire-défaite 2,5. En fait, pourquoi? C'est qu'en fait, tout ça, c'est des sièges. Il a pris des villes.
Il n'a jamais perdu, mais il a pris des villes. Et il a su, en fait, vraiment exploiter la situation qui est notamment provoquée par Richelieu. Parce que je vous rappelle que Richelieu, déjà, il va pas mal simplifier la vie des Hollandais parce qu'il va envoyer une grosse armée quand même en 1735 pour attirer les impériaux. D'ailleurs, les impériaux, hein, après Avin, ils vont quand même foutre quelques raclées aux Français et aller presque jusqu'à Paris. La première, donc ça veut dire qu'en fait, Richelieu a contribué à aspirer des troupes sur la France. Et la deuxième chose, c'est que mine de rien, avec Rohan à Valteline, il a fait en sorte que les Espagnols ne puissent pas envoyer de renforts. Donc, globalement, c'est grâce politiquement à l'action des Français, et des Suédois d'un autre côté, parce que d'un autre côté, sur sa gauche, enfin, sur côté est, il était peinard, le prince d'Orange, dès que les Suédois sont arrivés. Donc, en fait, il en a bien profité pour récupérer les villes une par une. Et effectivement, il a une. Alors, oui, effectivement, Gémignol, enfin, des noms imprononçables, Maastricht-Bréda. Mais en fait, il n'a que des victoires, puisqu'il a repris des villes. Là où j'ai vraiment hésité à le mettre, c'est que ben, la guerre de siège, pour moi, c'est pas ça les bons généraux. Donc, je l'ai mis parce que ratio victoire-défaite, inimitable, incomparable. Mais par contre, bon, il n'y a que des sièges, quoi. Le prince d'Orange a surtout eu la chance de bénéficier d'un outil militaire formidable construit par Maurice d'Orange-Nassau comme Frédéric II avec son père en Prusse. Oui, French Baguette. Mais en fait, il y a eu très très peu de. En fait, son père a pu aligner avec Newport et quelques autres victoires. Mais Frédéric Henri, là où il est très bon, c'est qu'il évite les batailles rangées et de prendre des risques. Après, donc l'outil militaire, quand tu fais un siège, enfin tout, je veux dire les innovations et les, enfin, qui sont d'ailleurs des innovations qui sont franco-hollandaises. Je le rappellerai jamais assez. Hein, les petits bataillons, tout ça vient avant tout des guerres de religion françaises. Hein, en fait, beaucoup d'innovations qu'on dit hollandaises, en fait, viennent des Français. On l'a oublié, et les Hollandais étaient meilleurs en termes de marketing, on va dire. Mais disons qu'ils ont combattu aussi du côté des. Enfin, beaucoup d'Hollandais ont aussi combattu pendant les guerres de religion en France aussi. Donc ça leur a fait un peu Alors, de. non, Moi j'avais pas vu. tant que ça, quelques-uns, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, Ah ils ouais? se battaient en même temps. Hein, pendant la guerre de Oui. 80 ans, c'était en même temps, quoi. Mais par contre, effectivement, il y avait pas mal d'échanges. Pas mal d'échanges, ouais. Donc toujours est-il que les innovations, je veux dire, c'est plus, on va dire, c'est plus un ingénieur qui arrive à prendre les villes, quoi. Parce qu'il me semblait que c'est vrai que Geoffrey Parker en parlait dans sa Révolution militaire. Du vrai lien qu'il y avait entre protestants français et hollandais dans l'échange de que les uns allaient combattre chez les autres et qu'il y avait un Ah vrai ouais. Ah ouais, tout à fait. Dès qu'on voilà. pouvait aller s'entraider, on le faisait, ouais. Voilà. Entre protestants. Hein. Donc malgré tout il finit dans le top est-ce que ouais. On dirait que tu es un peu contrarié. S'il n'y avait pas ce ratio qui est un peu, je l'aurais mis beaucoup plus bas, en fait. Je l'aurais mis D'accord. beaucoup plus bas. Je l'aurais mis probablement derrière un Gustave Adolphe. Donc, tu vois, Ah ouais. Cool. parce que c'est la guerre de siège, quoi. Et en fait, c'est à cause de lui que tout le monde dit que, en fait, la guerre de 30 ans, c'est que du siège et que ça n'a aucun intérêt. Alors que la guerre de 30 ans, c'est un moment clé dans l'évolution militaire. Ah Et oui. en fait, il n'en reste que ça. Et là, c'est juste de l'humour, hein. C'est à cause de lui. Ça marche. Alors, Tutu, il est où? Premier, deuxième, premier. On va te voir tout de suite avec le numéro 2 du classement. Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne. Alors, c'est mon chéri, c'est mon préféré, mais je le mets qu'en deuxième. Voilà, il a réussi C'est à mon faire passer préféré. ça. Alors, pourquoi? Pourquoi? Ben, un peu aussi pour la même raison qu'un Rohan. C'est-à-dire qu'il manque une bataille emblématique et donc le côté marketing. Ouais, Je vous c'est vrai. rappelle que Turenne, il est protestant. Donc après Guébriant, c'est lui qui va, Richelieu va le mettre à la tête de l'armée d'Allemagne. Alors il aura déjà, en fait, son bâton de maréchal, je crois qu'il le gagne en Italie, en fait. Donc ce qui lui permet d'avoir par une victoire en Italie. Donc il a quelques, je ne les ai pas mises là d'ailleurs, les victoires en Italie, mais il a en Catalogne aussi. Il est généralement, en fait, il a quelques victoires parce qu'il n'est pas général d'armée, mais il a généralement la tête de corps de cavalerie ou de corps. En opération, on va dire commando, où il est le seul commandant, généralement, il dépote pas mal. Hein. Il inflige une victoire au prince Thomas de Savoie. Une grosse victoire en Italie, je ne sais plus laquelle, où vraiment c'est lui. Donc
Il a quand même quelques belles victoires en Italie, mais on va dire comme Rohan Un front un secondaire. théâtre d'opération qui est peu connu, qui est peu favorisé, qui est secondaire pour Richelieu. Ensuite, les deux victoires que j'ai mis là, bon, il prend Philippsbourg, bon, il contribue à la prise de Philippsbourg, donc quand il est à la tête de l'armée d'Allemagne. Les deux victoires que je mets, en fait, Fribourg et Lorraine, c'est plutôt du Condé. En fait, juste avant, il a une petite défaite à Mergentheim en 1643 de mémoire. En fait, ce n'est pas lui directement, mais c'est Rosen, un de ses généraux weimariens, qui déconne un peu et qui se fait battre. Mais bon, c'est une défaite qui est toute, qui lui est un compte, qui lui est comment dire, attribuée. Attribué, oui. Et du coup, Mazarin, à l'époque, il n'est pas trop content et donc il lui envoie Condé pour le chapeauter. Condé a un peu plus d'expérience que Turenne à cette époque-là. Et donc, on a sur Fribourg et Lorraine, donc les campagnes de 1644-1645, on a une armée de Champagne et d'Allemagne qui font une, commandée par Condé, secondée par Turenne. Et on a Fribourg, où là, Condé, il y va, et c'est Turenne qui fait le tour et qui arrive à déloger Mercy, donc Mercy qui est un très très bon général bavarois, mais qui a eu le malheur de tomber face à du très bon en face. Donc Mercy est sur des positions qui sont inexpugnables. Et d'ailleurs, on a Condé qui va y aller, qui va y aller, qui va aller à Tas, qui va revenir, un tel, malgré des positions retranchées de Mercy. D'ailleurs, il aura l'émerveillement qui va susciter l'émerveillement de Mercy. Et en fait, c'est Turenne qui suggère et qui fait le tour avec son corps et qui arrive à les prendre à revers, ce qui les fait déloger. Et donc, il y a plusieurs batailles de Fribourg, mais à la fin, on va dire que c'est vraiment une coopération Condé-Turenne. Et je dirais que vraiment tous les éléments qui sont déterminants, ça viendra plutôt de Turenne. À Lorraine, c'est pareil, Nordlingen, Mercy, toujours pareil, le Bavarois, il est sur une position inexpugnable, enfin, grosse position défensive. Et bon, on arrive et Condé, il y va, il envoie, et la grosse perte, hein, la grosse attrition, et il y va, il y va, il y va, contre une des positions, il y a tous ces bataillons qui y passent. Et en fait, il y a Turenne qui est arrivé, qui commandait notamment l'armée. Ah putain, Essoise. Donc, il avait réussi à convaincre les Essoises de se joindre. Et donc, la deuxième ligne, la réserve, c'était les Essois de Guesseau. Et donc, c'est Turenne qui faisait le lien. Et à la fin, donc, à force que Condé, quand même, il use toute l'armée française, au moment. Alors, déjà, il y a Mercy qui prend un boulet ou une balle et qui meurt, un peu comme Tilly. Ouais. Et donc, du coup, c'est gros flottement sur l'armée bavaroise. Et là, il y a Turenne qui prend la tête de l'armée du corps Essois et qui emporte tout. Donc pareil à Lorraine, c'est une bataille d'attrition qui n'est pas vraiment emblématique parce que stratégiquement c'est du basique, mais c'est quand même Turenne enfin l'action de Turenne qui fait la différence. Donc c'est pour ça que j'attribue aussi bien Fribourg et à Lorraine à Turenne. OK. Ensuite en victoire réelle, on a 1648 Jutzmarshausen qui est une des dernières victoires avec Lens qui permet vraiment de donc là il a rejoint les Suédois je sais plus qui c'est, je crois que c'est Wrangler. Non, je sais, non, non, c'est pas Wrangler. Je ne sais plus qui c'est le Suédois, mais en tout cas, et qui finissent à ouvrir les portes de Prague. Mais bon, c'est une victoire où, je veux dire, même si les impériaux étaient quand même assez, enfin, dans un goulet, ce qui est pas emblématique. Par contre, en fait, ce qui fait toute la qualité de Turenne, c'est une campagne où il n'y a aucune bataille, aucune victoire. C'est la campagne de 1646, qui est juste un petit bijou. Qui est exactement, enfin, qui respecte exactement les préceptes de Sun Tzu. À l'époque, il faut savoir qu'on ne connaissait pas, hein, les théoriciens chinois. En 1646 en France, Sun Tzu n'avait pas été traduit. Mais en fait, en une campagne, il arrive à mettre à genoux la Bavière sans aucun combat. Alors, la situation est simple, car. Alors, et deuxième chose, vous aviez parlé d'initiative. Il le fait à l'encontre de Mazarin. C'est-à-dire, Mazarin, en fait, on a le enfin, le comment dire. Le théâtre d'opération, on a une armée française en Alsace, une armée suédoise qui appelle à l'aide. Entre les deux, on a une armée impériale et une armée bavaroise. L'armée bavaroise face à l'Alsace de façon à empêcher les Français de passer le Rhin, et l'armée impériale qui met la pression sur les Suédois. J'arrive pas à me rappeler le Suédois à l'époque qui est à la tête, mais donc il appelle à l'aide, je crois que c'est Wrangler, il appelle les Français à l'aide. Et en fait, Richelieu ne le souhaite pas parce qu'il souhaite détacher la Bavière.
Lui, le plan de Richelieu, c'est que le duc de Bavière, il est pas trop gênant dans la politique, dans la stratégie de Richelieu. Il essaye en fait de le ménager et de le détacher. Et donc, il veut pas que l'armée bavaroise soit battue. Donc, ce que fait en fait Turenne, il essaye, enfin, il prend quand même l'initiative d'y aller. Il fait un truc fabuleux. Donc, en Alsace, il arrive donc avec un petit corps. Il doit passer le Rhin. De l'autre côté, il y a les Bavarois. Donc, en fait, il met juste une garnison sur une ville de suédoise. Et en fait, il remonte tout le Rhin avec un corps très mobile. Il passe juste en dessous du Pays-Bas. Donc, il contourne. Il arrive. Il rejoint les Suédois. Et là, on a une armée franco-suédoise qui se trouve face aux impériaux et aux Bavarois. Donc, normalement, je crois de mémoire que le nombre est encore au profit des Bavarois. D'autant plus que Turenne a laissé une partie de son infanterie, voire toute son infanterie de l'autre côté du Rhin. Mais bon, les impériaux prennent peur, ils reculent, donc hop, Turenne va rechercher son infanterie, ils reviennent. Là, il arrive à faire un truc fabuleux. Les impériaux impériaux bavarois se retranchent. Hop, il masque, il envoie sa cavalerie pour tout masquer en fait la ligne et faire croire qu'il va attaquer. Avec son infanterie, une autre partie de la cavalerie, il va prendre une ville où en fait il y a tout l'approvisionnement des impériaux. Donc en fait, il leur coupe la logistique. Et donc c'est une campagne qui est juste fabuleuse. Et à tel point qu'il y a un moment, les Bavarois ils disent. Et donc c'était Innsbruck, je crois, enfin une grosse ville bavaroise. Et là, le duc de Bavière, il perd ses nerfs, il perd son calme et il dit stop. Et il demande en fait la paix à Richelieu. Et en 46, Turenne, par sa manœuvre, arrive à obtenir que le duc de Bavière signe la paix. Donc c'est juste, et tout ça par une manœuvre qui est fabuleuse. Donc elle est dans un, j'avais écrit un petit truc dans un article dans Vaevictis sur cette campagne. Elle n'est pas connue, personne ne la connaît, elle est juste fabuleuse. Et malheureusement, le duc de Bavière en 47, il mettra fin, en fait, il rompra cet accord. Mais juste pour vous dire que là, vous avez l'exemple d'une campagne où on arrive à des résultats fabuleux, avec des moyens qui sont limités. Initiative, tout à l'initiative de Turenne. Wrangler, il est plutôt passif et on va dire il va être plutôt suiveur. Et donc, cette campagne de 1646, elle mérite cette seconde place, voire une première place. Mais ce qui manque, c'est une belle bataille emblématique qu'on retrouve sur Wikipédia, malheureusement. French Baguette qui dit: bon d'accord, on n'est plus sur la guerre de 30 ans, mais sa campagne dans le Palatinat, même Napoléon s'en est inspiré pour repenser la Ouais, guerre de alors. mouvement. Et Et donc donc, c'est déjà des préceptes que là on ouais. revoit dans ce que tu dis dans cette campagne de 1646. Exactement. Après, en fait, enfin, logiquement, la campagne emblématique de Turenne, c'est celle de l'hiver 74-75, où d'ailleurs il trouvera la mort par la suite. Mais en fait, toute cette campagne, on trouve ses origines déjà dès 1646. Donc, Turenne, c'était la mobilité, prise d'initiative, rapidité de décision. Lui, il essayait de préserver ses troupes, donc il évitait de l'attrition. Pour moi, Et il mériterait une première place, et je dirais qu'entre le premier et le second, j'aurais du mal à me décider. ce qu'on peut aussi noter, c'est que les Français, que ce soit Turenne ou Condé, sont ceux qui vont avoir le plus longue longévité, ceux qui vont durer le plus longtemps au final, puisqu'ils vont faire des guerres après qui changent totalement d'aspect, hein, que ce soit Turenne ou Condé. Donc finalement, ils ont été quand même assez importants, je trouve. Ah ouais, jusqu'à la Ligue d'Augsbourg Et et ouais, après t'imagines, les mecs, jusqu'au ils ont quand combat de Louis même XIV. combattu. Ils ont fait le. Enfin, c'est les généraux de Louis XIV, en fait. Plus ou moins, peut-être plus Tout à fait. Turenne que Condé, mais voilà. Donc c'est très bon. J'ai longtemps hésité à ne pas le mettre en premier, mais Oui. la raison, c'est qu'il manque quelques grosses batailles emblématiques C'est vrai. encore à cette époque. Et donc, on passe au numéro 1, le numéro 1 de Le Stéphane, numéro 1, il est suédois. qui est Il suédois, est et c'est suédois. Torstensson. C'est Lena. l'équivalent de Turenne, mais suédois. Et Alors là, son il est nom, sur un cheval. Il n'a pas dû souvent y être, normalement, à ce que j'ai compris. Puisqu'il avait pardon? problème de. Il est sur un cheval là, mais à ce que j'ai compris, il avait un problème de truc. Il n'était pas sur. Sur la fin, il était très malade sur ses Ouais. dernières campagnes, 1643, 44, 45, effectivement. Enfin, il était très malade, je ne sais pas s'il avait la goutte, Ouais, il avait la mais. goutte et il était sur un palanquin, en fait. Donc en fait, Lennart Torstensson, un des, alors je sais plus comment on l'a
On l'a appelé enfin l'élève brillant de Gustave. C'était vraiment c'est le meilleur général et Banner était déjà très bon, hein. Je l'ai mis un peu plus loin parce qu'il y a d'autres très bons généraux, mais Torstensson, c'est vraiment celui. Alors déjà, et ça on l'oublie, c'était le général d'artillerie au début c'est lui qui a réorganisé et revu comment dire, l'utilisation tactique de l'artillerie. À Gencourt, on le verra en 1645 à la fin, il a fait un peu ce que Napoléon a fait à Wagram. Donc il a ramené, il a fait une grande batterie pour démonter le centre. Il a rendu l'artillerie mobile. Alors déjà grâce effectivement à ce qu'avait déjà lancé Gustave Adolphe. Mais c'est un. Oui, effectivement, je regardais ce qu'il se disait sur Turenne et Condé. Donc, première chose, il était innovateur. Mais en fait, au-delà de ça, c'était un général à la Turenne au sens où il était très mobile. Il faisait des opérations commando, il arrivait, il envoyait sa cavalerie masquée pour aller surprendre d'un autre côté. Et donc, à son actif, il a quoi? Il a la campagne de 1642 qui va mener à la deuxième bataille de Breitenfeld, qui est une grosse bataille. Alors, on va dire la première bataille moderne entre guillemets, c'est-à-dire qui sera du genre de celles qui suivront à la fin du XVIIe siècle, donc des grosses lignes avec des bataillons, enfin Pour que les où gens en fait où on arrête d'avoir juste une aile qui attaque pendant que l'autre mais où on va avoir des actions plus dynamiques. on a 20 000 hommes côté suédois, 26 000 hommes côté Ouais. impérial, et donc il y a des pertes qui sont de 4 000 hommes du côté suédois et entre 8 et 10 000 hommes du côté impérial. Donc ça, c'est une grosse, grosse victoire emblématique, hein, presque plus importante que la première Breitenfeld. Mais, donc voilà, ensuite, Oxenstierna l'envoie au Danemark, où là, il fait une très belle campagne. En fait, il va Alors avant, il était en Bohême, il était face à Galas, un Moravie. général impérial. Donc le chancelier suédois l'envoie pour neutraliser le Danemark. Il fait une belle campagne, alors assez facile, sauf que contre toute attente, et Galas voulait pas, mais l'empereur envoie Galas pour justement contrer. Et en fait, il arrive à manœuvrer Galas. Alors Galas, il a fait des bonnes choses, il est pas dans les bons parce qu'il peut être aussi mauvais que de temps en temps, il a été un peu bon. Mais toujours est-il qu'il neutralise de façon brillante Galas et il arrive à neutraliser complètement le Danemark. Et ensuite, il repart en Bohême et là, il fait une superbe campagne. Alors même si, donc là, Galas, à force d'avoir été mauvais, il est remplacé par Hatzfeld. Hatzfeld, pareil, avec plus de moyens. Et il arrive à être très mobile et il arrive à la fin, la bataille de Jankow, qui est juste 1645, qui est une superbe victoire, une bataille en deux temps où justement il fait l'utilisation de l'artillerie de façon vraiment, vraiment novatrice. Entre autres, sachant que déjà, hein, on avait, rappelez-vous, les Suédois, ils avaient des canons de bataillon, donc ils avaient déjà doublé la puissance de feu d'un bataillon en mettant des petits faucons à l'intérieur. Donc déjà, il y avait la mobilité avec cette artillerie bataillonnaire ou régimentaire. Mais là, en plus, il est capable de faire des batteries, des grosses batteries qu'il utilise de façon tactique, de façon très intéressante, Alors, tactiquement, pour salut être. Adrien qui nous quitte, merci d'avoir été là, bonne soirée, tu pourras écouter la fin du live demain, puisqu'il sera en rediff, il n'y a pas de souci. Tu peux continuer. Donc on était à Jutenborg, non, à Janko. Voilà, Janko, et donc on finit. Donc, Lennart Torstensson, c'est un bon, c'est de la 30 de Turenne. Mais avec quelques petits trucs en plus qui sont quelques victoires très emblématiques qui vont marquer vraiment. Donc, je pense à la seconde Breitenfeld en 42 et Jeanco en 45. Janko qui lui permet d'atteindre Vienne, quoi, qui lui permet d'ouvrir la porte vers Vienne. 45, alors après, il faudra attendre 48, mais effectivement, qui ouvre les portes de l'Autriche. Et puis surtout ce côté aussi novateur côté artillerie, donc il a plusieurs cordes à son arc, donc un très très bon. J'aurais du mal sincèrement à vraiment les deux premiers, ils sont vraiment sur le même plan quoi. Torstensson et Turenne, c'est du très bon. En sachant qu'en fait, il n'a pas été battu sur le champ de bataille, il meurt en 1651, mais parce qu'en fait, il est trop malade, il repart en Suède, et c'est Wangrel, grand Wangrel,
qui reprend la suite, mais en fait, c'est juste parce Ouais. qu'il est plus Ouais. du tout en état de par sa maladie. Mais voilà, c'est pas parce qu'il a été battu ou qu'il a été Ah non, non, disgracié oui, ou c'est sa quoi. maladie qui fait qu'il... Oui, tout à fait, oui. Voilà, il faut quand Oui, même. lui, en rapport, vous vous rappelez, enfin, il était au-dessus de Turenne, de Condé, il était le deuxième, hein, derrière, sur le classement Wikipédia, je ne sais plus, il était à combien, 1,9, je crois, enfin, il devait être pas Ouais. loin de 2. Donc, oui, non, non, c'est du tout bon, c'est du tout bon, Torstenson, il est pas nécessairement connu de nous, Français, mais c'est du très bon. Et il était avec Gustave Adolphe depuis le début. Alors, il était avec Gustave Adolphe depuis le début et en fait, il se fait prisonnier à Alteveste, donc la défaite face à Wallenstein. Jusqu'en Je savais que 1633, je crois qu'il restera un ou deux ans prisonnier. Et ça, par contre, il reviendra avec beaucoup moins d'enthousiasme. Enfin, ça l'a beaucoup marqué. Puisque en effet, c'est notifié qu'il contribue grandement aux victoires de Brenfield et de Lech grâce à son artillerie. Et French Baguette qui dit franchement, mettre une première place à un mec qui a un nom d'étagère IKEA, quelle déception. Allez, oui, bah oui. Mais bon, les Suédois quand même sont. Donc il y avait cette question surcotée, sous-cotée. Je pense qu'au final, on voit bien que les Suédois, même si Gustav Adolf n'est pas dans le top 3 ou quoi, tu as quand même très bien classé les Suédois dans l'ensemble, hein, puisque ce soit Torstensson ou même, comment il s'appelle, Banner. Banner, ils font partie quand même des. C'est la nation Oui. finalement la plus représentée avec la France. Ouais. Donc du coup on a 3, 3 contre 3. Ouais. Non, 3 contre... Non, 4 la France, j'en ai mis 4. Donc effectivement, là on peut dire biais de sélection. Oui. Hein, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Moldave? Après, est-ce qu'on peut pas se dire que c'est aussi, finalement, ceux qui ont remporté la guerre? Les grands vainqueurs. On Il y retrouve a la ni. Hollande. Alors j'ai mis qu'un Hollandais, mais sur le... Oui, je crois que ce sera compliqué. Il y a eu beaucoup de généraux hollandais, mais au bout du compte, ouais. Or, Frédéric Henry, c'est compliqué. Et effectivement, oui, les vainqueurs restent là. Ouais. Comme souvent, hein. Et sur toute la phase vraiment où la Ligue catholique était bonne, il y a Tilly, et Tilly est quand même dans le top 5. Donc, French Baguette qui dit, par contre, pas un seul général espagnol dans le top 10, à mon avis, il y en a un qui va gueuler. je sais pas. Effectivement. Alors, sur les Espagnols, j'ai regardé notamment sur le classement de Wikipédia et effectivement, le problème, ils sont pas au-dessus de le rapport victoire-défaite est pas terrible. À cette époque-là, ils ont plus de bons généraux. Spinola, Cerbellón, je sais plus les autres. Alors, comment il s'appelle, celui qui a gagné à Nordlingen, l'archiduc. Ah, zut, celui qui a gagné dans Lingen. Après, il est. Ah bah merde. Attends, je vais te dire comment il s'appelle. Bon, c'est pas grave, regardez le vainqueur de Nordlingen. Bah Et de après. toute façon, c'est une alliance à Nordlingen, puisqu'il y a le duc Charles de Lorraine aussi. Ils sont à trois, hein, trois généraux de mémoire. Alors, il y a chez du côté, il y a Ferdinand d'Autriche, Ferdinand d'Habsbourg, Mathias Gallas et Charles IV de Lorraine. Je suppose que tu parles Ah de. non, c'est Ferdinand d'Autriche, mais en fait, c'est parce qu'en fait, il est espagnol, mais il a le duché d'Autriche. Ouais. Il s'appelle, Après, il a un autre nom. c'est comment Mais dire. Du côté des Espagnols, c'est qu'ils font combattre aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aussi, il y a des Italiens, il y a des Allemands, parce que l'Espagne, à l'époque, c'est un empire aussi qui est. Voilà, c'est les Habsbourg, en fait. Donc, quand on parle de Tilly, quand on parle de Wallenstein, mais c'est aussi un peu des impériaux de manière générale, quoi. Tout à fait. C'est le cardinal Infante Ferdinand, le comte Cardinal Leganés. Infante, c'est ça, c'est le cardinal Infante, C'est exactement. ça. Qui était alors gouverneur des Pays-Bas. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, les Espagnols sont plus sur la pente descendante à cette époque-là. Les Espagnols, en fait, ils ont des troupes, ils ont surtout des troupes qui sont. Voilà, ils ont manqué de bons généraux, parce qu'avec les troupes qu'ils avaient, parce que mine de rien, comment ça s'appelle, putain, dans les premières batailles, en fin de la première partie, Hoste, je crois, c'est à Hoste, où c'est principalement un corps. Alors, il y a ce corps dont j'ai oublié le nom du général, ce corps espagnol qui est tout au début de la guerre, qui est solide et qui est jamais. Mais bon, il n'est jamais Alors, général d'armée, moi j'aurais qui pensé. résiste, recroît, mine de rien, les bataillons, ils sont partis avec leur drapeau en Espagne. Enfin, certains bataillons, ceux qui n'ont pas été. Et j'aurais à te proposer peut-être comme la figure de Piccolomini.
Alors, Piccolo Mini, effectivement, je me suis posé la question. Le problème, c'est qu'en rapport. Alors, Piccolo Mini, je me suis vraiment posé la question. Honnêtement, c'est le Le seul problème. Généraux espagnol que je sais qui est pas mauvais. Après, je connais pas Oui, les non, autres. mais il est bon. Il est bon. Il se Il est révèle un peu à italien après, mais Lucerne. bon. Il a une victoire. Il a une victoire, je pensais, 142. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Bah déjà, il fait la montagne blanche. Oui, alors oui, mais après, ça compte pas. Le problème, c'est que j'ai probablement été, là, on va dire biais de sélection, j'ai probablement été influencé par le classement de Wikipédia où il le mettait très bas. Pourquoi? Parce que le problème de Wikipédia, vous vous rappelez, c'est qu'il comptait aussi quand vous commandez pas l'armée, que vous gagnez, ça compte comme victoire, et si vous perdez, ça compte comme défaite. Or, il a souvent été dans des armées commandées, il a souvent été en fait comme allez, on va dire général, à la solde de l'archiduc Léopold. Donc Léopold étant nul, il se prenait toutes les défaites. Et donc il s'est pris pas mal de défaites dans le compte, en fait, parce qu'il n'était pas général d'armée, mais il était conseiller et qu'il avait un gland, et qu'il avait un boulet, en fait, avec lui, et qu'il le commandait. Donc en fait, les quelques victoires de Piccolomini, c'est celui que j'aurais mis dans les impériaux si j'avais pas été influencé par ce. Donc et en fait, si on vire toutes les batailles où il n'est pas réellement général en chef, il passe clairement dans les 10 premiers. D'accord. Oui, c'est vrai que. Donc Donc. c'était effectivement, c'est probablement, enfin c'est en tout cas, Wallenstein, c'est un peu particulier, le meilleur des impériaux, clairement. Alors après, dans ce cas-là, il y a aussi Bucquoy qui profite des victoires des autres, Oui. notamment de Tilly, et après, qui a peut-être quelques petites victoires qui ne sont pas emblématiques. Mais clairement, après, avec réflexion, je mettrais Piccolomini bien, bien au-dessus de Bucquoy, parce que Piccolomini, effectivement, alors il était très énergique, hein, c'était un très très bon général de corps. À Lutzen, il est excellent. Mais il a une victoire qui est celle de Honnecourt, c'est ça, de mémoire, Honnecourt, en 1642, de mémoire, qui est une très belle victoire. Et non, c'est assez un bon, je le reconnais. Là, je suis probablement biaisé parce que j'ai probablement pas assez bossé Et ses c'est lui campagnes. aussi qui participe à la bataille de Brenfield, on l'avait dit tout à l'heure, face à À la l'énorme bataille 2. il fait partie de la bataille de Brenfield face à Torstensohn. Bah, le problème, c'est qu'il se prend toutes les. Ouais, partout où il y a l'archiduc Léopold, il y a Wolfenbüttel, il est là, mais l'armée impériale est commandée par. Enfin, Bavarois impérial est commandée par l'archiduc de Léopold. Donc, pareil pour la deuxième Breitenfeld. Donc, en fait, il accumule les défaites où il n'est pas réellement responsable. Ce n'est pas lui le commandant en chef. Au final, c'est quand même quelqu'un qui a traversé la période sans trop clapser. Exactement. Aussi, parce qu'il meurt en 56. Donc voilà, peut-être mention honorable, comme on l'a dit tout à l'heure, avec Saxe de Weimar, il y a Piccolomini. Après, il y a Blasco de Castiglione qui nous parle d'un Mondragon. Mondalagon, ça serait un espagnol. Ben alors, je ne le connais pas du tout. Donc, biais de sélection, si jamais il est bon. Francisco de Melon n'est pas mauvais non plus, même s'il a perdu face à Condé à Rocroi. Peut-on vraiment lui en vouloir? Donc voilà, après, c'est tout ce que disait Stéphane, c'est-à-dire le ratio aussi. Si le mec a commandé deux fois, il en a perdu une, il en a gagné une. Bon, difficile de juger. Je Toujours pense que. est-il qu'il n'y a aucune victoire emblématique Ouais. et même pas de victoire qui mérite d'être citée, quoi. En tout cas, ton classement, comme tu l'avais très bien dit par l'ensemble de ta petite présentation au début, évidemment, c'est le tien, il est subjectif. Malgré tout, il s'appuie quand même sur un travail, ou du moins. Une analyse. Et puis, si on regarde, il n'est pas déconnant avec ce que nous avait dit Chat GPT et Wikipédia. On retrouve quand Enfin, même. plus Wikipédia, Oui, ChatGPT, on n'y est pas du ChatGPT, tout. voilà. Ah ouais. Mais il y a, par rapport à Wikipédia, voilà, il y a une sorte de quand même de cohérence, quoi. Tout à fait, ouais. ChatGPT, je me rappelle plus. ChatGPT, ChatGPT, je vais te montrer ce qu'il on avait dit, avait. ChatGPT. Alors, Wallenstein, ils l'ont mis en premier, j'ai mis en dixième. Gustave Adolphe, je l'ai mis. Hein. Saxe Weimar, effectivement, il serait 11e pour moi, ou à voir avec Piccolomini. Tilly, oui. Banner, oui. Brunswick, non. Merci, non. Galas, non. Ouais, jusqu'en fait, dans les 5 premiers, on y est à peu Ouais, près. tu vois, les cinq premiers, il y a quand même une petite. Non, mais je veux dire, voilà, il y a une cohérence, il y a un peu. Ça sort pas de nulle part. Donc voilà, c'était notre petit classement de top 10 généraux de la guerre de 30 ans. Voilà, n'hésitez pas, vous, en commentaire, à nous dire ce que vous avez pensé. Turenne aussi était quand même en pole de chez pas mal de viewers là
pour être le numéro 1, mais voilà. Donc si jamais vous avez des questions. Il a quelques défaites. Il a Mergentheim, il en a une seconde, je crois, mais il est tout jeune, c'est ses débuts, et ce qu'il plombe un peu, notamment dans le classement de victoire-défaite. Mais il est brillant, il est vraiment brillant, brillant, et Merci Frédéric pour peut-être plus ce. brillant que personne. Bravo, superbe, mais merci. Voilà. Ça fait partie de nos petites. On aime bien la guerre de 30 ans. Maintenant, on va commencer à être un peu les spécialistes de la question. Donc, on a fait quand même pas mal de contenu sur ça et je pense que c'était bien de faire ce sorte de petit bilan un peu sur l'ensemble des généraux. Laurent qui nous dit merci beaucoup à vous deux pour cette soirée. À très vite. Ouais, Laurent. À très vite, ça sera un Merci plaisir Laurent, de à te toi. voir, te recroiser. Et moi, encore une fois, les Suédois ont acheté le classement à coup d'akavit. Fred qui nous dit, Ferrand, je découvre cette belle période. Ben ouais, Fred, alors je sais pas quelle armée déjà tu as pour que tu es en train de monter là. Superbe ce travail intellectuel sur Tertios. Ben merci, RP. Hein. Je vais essayer avec quelques contacts de faire pareil sur Légion d'honneur, mais la période napoléonienne, c'est pas la même chose, donc on essaie d'y aller tranquille. Mais ouais, c'est la période de 30 ans, c'est une période que nous, au club, on aime beaucoup. Tout le monde apprécie cette période. Un peu méconnue en France, on la résume aux Trois Mousquetaires un peu avant, mais c'est une période qui est passionnante, quoi. Une armée française pour Fred, ben parfait. Voilà, donc encore si vous avez quelques questions, parce qu'il est 23 h, ça fait 2 heures de live quasiment, donc je pense qu'on a fait le tour, on a essayé d'être, enfin surtout Stéphane a essayé d'être le plus pédagogue possible, je crois que c'est réussi. Et puis voilà. Va falloir trouver un nouveau sujet maintenant. Les pires généraux, les plus mauvais. Non, ça je pourrais pas parce que ça veut dire aller quand même au fin fond Bon. des trucs Ben, horribles. celui que tu disais là, le Ah père oui, d'hyper. non, oui, si, oui, là on peut en trouver. Ouais, là, oui, effectivement, on parlera des impériaux. Alors les Espagnols, ça sera plus compliqué parce qu'effectivement, les Espagnols n'ont pas tant de défaites que ça. Ils Non, n'ont mais juste tu pas de. C'est un peu particulier, donc les Espagnols sont. Mais les impériaux, il y a du bon là, ouais. Il y a du bon. La période napoléonienne est plus simple en termes de classement. Du 1 au 10, tu mets les Français et c'est bon. Ah, je sais pas. Il y a l'archiduc ben, Charles, je crois. Eh ouais, l'archiduc Charles, Qui est intéressant. loin d'être un peintre. Hein. Donc, On sera obligé de mettre Wellington quand même. ben Wellington, peut-être aussi. Non, mais on le fera. Voilà, on verra avec. On aura fait un petit peu de. Il n'y aura pas de Prussien, je vous le dis. Alors, d'ailleurs, sur le sujet, je crois que sur Wikipédia, vous avez les meilleurs généraux de tous les temps. Et effectivement, Napoléon est vraiment, vraiment au-dessus du lot en nombre de batailles. Je ne me rendais même pas compte Ah gagner. mais c'est exceptionnel. Devant Mais en fait, il en a Wellington, perdu que deux, je et c'est crois. de tous les temps, hein. C'est les meilleurs généraux de tous les temps. Vous regardez le nombre de batailles, et je ne me rendais pas compte Je qu'il crois qu'il était en a une cinquantaine de batailles, je crois. aussi au-dessus du lot que. Mais je crois qu'il a Je que suis pas trois défaites. spécialiste de la période, je connais comme tout le monde, mais c'est vraiment impressionnant le différentiel avec. Alors, Wellington n'est pas loin, mais après, enfin, et sans pas trop mal, mais après, les suivants. Puis vous avez tous les généraux de la guerre de Sécession, enfin, vous avez du lourd derrière. Mais. Bon d'accord, trois étrangers, Charles d'Autriche, le village Jeton et des Bragations. Bagration. 46. Kutuzov. Hein. Plus Bagration que Kutuzov, non. Moi Je mettrai j'aime. plus haut. Et puis il y a quand même Papy Blucher qui lâche jamais rien, même s'il est nul. Voilà, c'est le Saxe Weimar. C'est ça, Ah il non, revient toujours le type. Donc voilà. mais c'est. Et 46, c'est ça, 46. Ouais, ça c'est 46. Enfin, c'est 40 énorme, c'est victoires, c'est énorme. ça? Et puis Ouais, surtout, ouais, ouais. c'est, je pense que comme tu l'as dit, Karl von Clausewitz avec Blücher. En fait, je commence à bien connaître les Prussiens. En fait, Blücher, ce qui était fort, c'était qu'il avait des très bons chefs d'état-major, qui étaient Guesnot et le deuxième, c'est. Alors, c'est pas York, c'est un autre. Mais en fait, ils avaient des très bons états-majors. C'est Patton avec une moustache, c'est ça. Blücher, c'est de la chance, oui. Ouais, non, mais ils avaient une sacrée école d'état-major qui après va faire Molk, etc. Mais Laurent aussi, il a une passion pour les Prussiens, même si lui, il joue une période où là, vraiment, Ah ouais, non, non, c'est. mais oui.
Bravo, ouais, bravo, bravo pour l'acharnement pour revaloriser l'armée L'armée prussienne prussienne. de Yéna. C'est ça. Donc voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour. Je rappelle donc un peu pour en remettre une couche que il y a la convention Tertios qui aura lieu le premier week-end d'avril sur Rosiel. N'hésitez pas à utiliser dans l'adresse conventiontercios@laposte.net pour s'inscrire. On sera heureux de vous accueillir. L'inscription, c'est autour de 28-30 euros avec les repas qui sont compris pour les 2 jours, etc. Et l'accueil. Ensuite, Stéphane et moi-même, nous serons à la convention qui aura lieu à Lavore. C'est le 10 et 12 mars 2023, donc c'est à Lavore. Et il y aura une bataille entre impériaux et suédois en démonstration de Tertios. Donc si jamais vous êtes dans le coin et que vous voulez voir Tertios ce que ça donne, n'hésitez pas à passer. Et ensuite, puis voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. Prochaine vidéo sur Tertios, je ne sais pas trop. Je vais voir un peu avec mon pôle de chercheurs là autour qu'est-ce qu'il faut faire. Il me semble qu'il y avait une idée à un moment avec Stéphane de faire les armées, tu sais, de ce stratège des Balkans là, que tu. Gabor, Gabor Gabor, Bethlen, que tu Transylvanienne. apprécies. Il faudrait que je me replonge sur le sujet, mais Voilà. effectivement. Il y a Laurent qui est dans le chat là qui fait un peu le passager clandestin qu'il doit faire sur les Hollandais. Et puis je crois qu'on aura fait quand même pas mal le tour des armées de la période. Ensuite, revaloriser les Prussiens à la période napoléonienne. Il faut s'appeler Tom Cruise parce que c'est vraiment mission impossible. Ah, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pour Saumur en octobre, si je peux venir, ce sera avec plaisir faire du Tertios et. RP qui dit Gabor. Ouais. Je sais pas comment ça va s'organiser. Faut que je joue avec ceux qui avaient fait l'année dernière une convention sur Saumur, mais ça, je vais essayer de pousser peut-être pour qu'ils en fassent une en 15 et qu'on y monte cette fois-ci en force. Voilà. Bon, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Merci encore Stéphane pour tout ce travail. C'était c'était Plaisir, merci à passionnant. vous. Merci aussi au chat d'avoir été Animé. là et d'avoir participé. Une participation Question de très qualité. Pourquoi pas un petit live de bataille pour Tertios? C'est possible. J'en ai un déjà qui a été tourné cet été avec Salvador. Mais oui, on en avait déjà fait un qui avait fait, était, ouais, elle était bien ce que tu avais fait là qui pour m'avait demandé pas mal de montage, mais qui avait été, je crois, pas mal du tout avec les pauses là sur les mouvements, etc. Mais pourquoi pas faire un live une fois? Ça demande un peu de place, le Tertios. Peut-être plus en 15 mm, mais c'est moins joli que le 28. Il y a toujours ce rapport-là à faire. Mais on adore Tertios et on continuera à faire du contenu dessus. Ne vous inquiétez pas. Surtout que j'ai vu des petites vidéos de mecs qui jouent à Tertios en période antique maintenant. Voilà, allez voir sur la page Facebook, j'ai vu la vidéo arriver là. S'il y en a qui commencent à faire du romain, tout ça, face à du macédonien, je pense que ça peut être très 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 intéressant. Donc peut-être qu'on fera un petit rapport de bataille antique. Et puis surtout, au club, il y en a certains qui ont des armées aussi de la Renaissance. Et alors là, c'est autre chose aussi. Donc la période Tertios se décline aussi pour des périodes un peu plus anciennes. Donc voilà, peut-être qu'on pourra aussi faire ça sur la chaîne. Voilà, je vous souhaite donc une bonne soirée. On se dit à très vite sur la taverne. Allez!